Eh bien, salut à tous les amis, c'est Benouille, j'espère que vous allez tous très bien. Nous nous retrouvons une nouvelle fois sur Medal of Honor Above and Beyond pour une nouvelle vidéo en réalité virtuelle et pour entamer donc la sixième et dernière mission du jeu, les amis. Eh oui, nous y sommes arrivés. Alors j'ai fait un petit check pour voir si mes captures vont bien, parce que quand j'ai un casque VR sur la tête, c'est évidemment pas toujours facile de checker, mais ça va, ça a l'air de bien se passer, nickel. Et du coup les amis, on va commencer ça, donc petit résumé donc de ce qui s'est passé la dernière fois. On avait donc terminé la mission 5, qui, rappelez-vous, s'appelait Opération Norvège. Donc on avait été en Norvège pour aller saboter une usine dans laquelle les Allemands essayaient de créer simplement la bombe atomique, voilà, rien que ça. Et on a été là-bas pour les en empêcher, donc ça a été une mission accomplie, voilà, dans un environnement enneigé magnifique. Toujours des environnements très impressionnants. Une mission qui était quand même purement d'action. Contrairement à la mission 4, le sabordage de sous-marin, qui là était une mission plus subtile, avec plus d'infiltration. Là ici, on était vraiment sur du gros bourrin bien vénère. Et c'était sympathique quand même, malgré tout, j'ai bien aimé. Mais c'était assez sportif. Et du coup, tout ceci nous amène donc à la dernière mission du jeu, les amis, qui se nomme les fusées. Pinemon 2. Je sais pas du tout comment ça se prononce, je n'ai jamais vu ce mot de ma vie. Les fusées de... Le Pinemon 2. C'est sûrement un mot allemand. Voilà, donc sûrement des fusées, peut-être des V2 ou des trucs comme ça. Ils parlent souvent de ça dans les Medal of Honor, donc c'est peut-être ça, je ne sais pas trop. Bref, on va découvrir. C'est la dernière mission du jeu, les amis. Objectif, avoir tous les collectibles, évidemment. Et je ne peux pas vous promettre que cet épisode-ci sera celui dans lequel on finira le jeu. Parce que ça prend du temps quand même de finir une mission entière, et je rappelle que la VR c'est assez sportif et tout, et que tenir à long terme j'ai du mal, donc on verra bien, je le fais au feeling, j'ai pas envie de m'imposer de limite, et on verra ce que ça donne. Donc sans plus attendre les amis, je vous propose de découvrir le briefing de cette dernière mission du jeu, c'est parti. Pour la première fois dans l'histoire, les spoils de guerre ne sont pas land ou riches, mais scientifique research. Quand Germany finally falls, the biggest prize won't be territory, it will be the scientists. It's going to be a free-for-all between us and the Soviets, and we need to get a head start. To that end, this is Polish rocket scientist Dr. Gronick. He's been feeding us intelligence for years, and it's time to pull him out. Dr. Gronick is stationed at the research facility in Peenemünde. This is where they designed the V-1, V-2, and their secret jet fighters. It's the most heavily guarded location in all of Germany. Patrolled day and night on the ground, in the air, and at sea. Mm-hmm. The mission itself is a simple extraction. Traveling at night with Dr. Gronick, you should be able to make it back to Allied territory unnoticed. Captain Riley and the Chatsworth girl will get you to Peenemünde. As the okay. zone is so far inside enemy territory, we're sending along Captain Holloway and his squadron. They are the best escort pilots we have. D'accord. Again, a simple extraction, but the simple missions are the ones that always go sideways. Oui, c'est ce que je me disais. Ok, ok. Donc on doit aller exfiltrer un... Oula, tout le monde me regarde, ça fait peur. On doit aller exfiltrer donc un espèce d'agent double, donc, qui faisait genre, il travaillait avec les Allemands, mais dans le but de nous donner des informations, et là, c'est l'heure d'aller l'exfiltrer pour le ramener et entendre toutes les informations, tout ce qu'il a appris sur cette usine. Et donc, c'est bien ça, le nom bizarre, là, du truc que j'avais lu tout à l'heure, là. J'ai pas retenu le nom. C'est bien l'endroit où ils ont fabriqué, donc, les V1, les V2 que j'ai énoncé tout à l'heure, et même des avions secrets, ils arrivent assez puissants et tout, là, ok. Donc, voilà, ça rejoint un peu ce que je pensais. Et du coup, on doit aller l'exfiltrer, mais ça va évidemment partir en couille. Ce sera sûrement une grosse mission de sabotage au final. Donc, on y va avec le capitaine Riley. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, lui. C'est avec lui qu'on avait fait la phase en avion. Rappelez-vous, il y a déjà longtemps maintenant. On avait une phase d'avion qui était très stylée. Donc, peut-être qu'on va en avoir une nouvelle. Mais avant, on fait un petit détour par le quartier maître. Et oui, c'est la tradition, les gens. Dernière fois qu'on y va. Like the colonel said, this should be a simple mission. I never trust simple missions. Ouais, ben moi non plus. Oh, la musique! Oh! Mais elle vient d'où, tout autour de moi? Cette musique, les gens! Oh, ça me fout des frissons. Je vous jure, j'ai des frissons rien qu'à entendre cette musique. Oh, on l'entend fort. Oh, la référence! Oh, je suis en kiff total. Alors, à mon avis, les gens,
c'est une hypothèse. Alors déjà, je sais que cette musique vient du tout premier Medal of Honor, déjà rien que ça. Putain, on l'entend fort en plus. Donc elle vient du tout premier Medal of Honor. Et si je ne dis pas de conneries, alors je ne suis plus sûr parce que le premier Medal of Honor, ça fait très longtemps que je n'y ai pas touché, les amis. Mais il me semble justement que cette musique, c'est une musique qu'on entend dans la mission de sabotage de V2. Donc c'est une énorme référence. Et on entend fort la musique en plus. Ah, oh, je m'en viens, je suis content. Ah, oh, j'adore. Je pourrais rester là juste à m'ambiancer les gens que je kiffe déjà. Putain, ils ont mis des haut-parleurs partout cette fois, par contre, la musique elle vient de partout et j'entends pas juste venir d'un côté comme les autres musiques d'habitude qu'il y a ici. Oh, je m'ambiance. Je vous jure, je vais pas rester là juste à m'ambiancer les gens, je vous jure. Bon, bref, on va bouger, mais vous attendez quand même qu'il y ait de l'action. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles armes? Ça m'étonnerait. On a dû faire tout le tour là. Je regarde quand même. Wow! Ça s'énerve la musique. Non, je veux pas de nouvelle arme, ok. Au moins c'est clair. Oh, et il n'y a pas de... Eh ben dans le coin là-bas, il n'y a aucune nouveauté de gameplay spécifique. Hein. Ah, ça va aller vite le quartier maître aujourd'hui. On va juste regarder un peu les trucs là au milieu, les personnages là-bas, et ça sera déjà fini. Ok. Donc différents avions, ça c'est quoi? Ça c'est un avion allié. What is the lieutenant looking at? Hopefully the Luftwaffe won't notice you sneaking in. But if they do, the red tails of Captain Holloway's Mustangs will make them think twice about D'accord. attacking. Ça, ce sont des avions alliés qui arriveront en renfort en cas de problème. Oh, il a bien volé. Et ça, ce sont des avions allemands. Huxley, what is the lieutenant holding? Messerschmitt. Je connais pas les noms des avions. Je suis pas très, pas un grand connaisseur. Ah ouais, plus de la moitié de la vitesse du son. Ah ouais, d'accord. Bah... Ah oui, d'accord, c'est dans l'usine justement qui fabrique ce genre d'avion. Bah ouais. J'espère aussi. Mais quelque chose me dit qu'on va en croiser, sinon il nous en parlerait pas. Ouh. Il rebondit bien cet avion. Tiens, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un espèce de planeur bizarre. Ah non, c'est un missile V1, d'accord. Ah, ok. This so-called vengeance weapon has been terrorizing London for the past year and a half. The sound of them makes my skin crawl. Bah moi j'ai la chair de poule rien qu'à entendre cette musique, moi. Voilà, c'était pas vraiment un avion, ça aurait dû exploser, mais bon. Oh là, je vous jure, je... Rien que d'entendre ces musiques, ça me rend nostalgique. Vous vous rendez compte, les gens? La fois où on a entendu cette musique-là en vidéo ensemble, ça remonte à il y a 6 ans. Vous vous rendez compte? Putain, le temps passe vite, hein, ça fait peur. Alors, un tigre de récupération. Les Allemands aiment de salvager des avions alliés. Nous sommes toujours sur le lookout pour stolen eagles. Crashed Allied bombers that have been rebuilt by the Nazis. They fly them on reconnaissance missions, as they're completely indistinguishable from our planes. Except for the swastikas they paint on the tail. C'est vrai que c'est couillon ça. Oh, on sait pas s'ils sont alliés ou ennemis, mais si on regarde la croix gammée, bah oui, on sait qu'ils sont ennemis, bah oui, logique. Alors, c'est lequel le V2 dans ces deux-là? Celui-là? Oui. Semble bien. Les Allemands call it the A4. We call it the V2. Ah, faudra en faire péter, c'est sûr. Whatever name you use, this rocket represents a terrifying future. This is why it's critical we pull Dr. Gronick out of Peenemünde. Bon, c'est pas vraiment, c'est pas une bombe atomique, mais on en est pas loin, quoi. Par contre, le Dr. Gronick, enfin, c'est comme ça qu'il s'appelle, j'ai pas écorché son nom. C'est un nom qui me dit quelque chose. Je me demande si on n'en parle pas dans un autre Medal of Honor aussi, tiens. Boum. Et ça, c'est quoi comme missile alors? Ah, c'est aussi un V2, d'accord. Ah, ok, donc c'est juste des... Bon, pff, je me demandais lequel des deux était un V2, mais les deux le sont, ok, c'est juste un design différent. Ah, et voilà l'usine où ils stockent les V2. Wow. Huxley, what is the lieutenant looking at? Capitaine Holloway, ah, c'est comme ça qu'il s'appelle. The heart of the Nazi rocket program. The facility is run by a scientist named Werner von Braun.
Assuming he survives the war, the folks at OSRD are eager for him to come over to our side. But, as far as I'm concerned, as someone who's lost family and friends to V1s and V2s, he can rot in hell. C'est donc là-dedans qu'il faudra aller, d'accord. Oh, la musique. Oh, écoutez-moi ça un instant, les gens. Ça, c'est la bonne vieille époque. Ça me fait trop du bien. Franchement, je remercie les développeurs d'avoir pensé à mettre des petites musiques comme ça de référence dans le jeu. Parce que c'est entièrement assumé, c'est pas juste du recyclage de musique. Parce qu'ils ont créé vraiment plein de nouvelles musiques pour le jeu. Et en gameplay, il n'y a jamais d'anciennes musiques qui passent. Il y a des petits thèmes, oui, qu'on reconnaît. Mais dans le quartier maître, il y a une petite radio, et c'est dans cette radio que passent des anciennes musiques, et ça, je kiffe. C'est quoi ces petits avions tout mignons, là ? Huxley, what's the lieutenant holding ? The comet was tested at Peenemunde. I wouldn't be surprised if you see one in a hangar while you extract Dr. Gronick. Ah bon ? Ok, j'ai jamais vu ces avions. Ah, quoique, mais attendez ! Je dis que j'ai jamais vu ces avions, mais attends, comment il s'appelle ? Ah non, non, c'est pas ce que je pensais, non. The Messerschmitt 163 comet, with a K. It's a rocket-powered fighter the Nazis developed for air defense. It's incredibly fast, but incredibly dangerous for the pilot. It takes someone with a lot of skill and a lot of nerve to fly. D'accord. Alors en fait, quand j'ai vu les avions là, j'ai cru pendant un instant qu'il s'agissait de HO9. Rappelez-vous, c'est l'avion qu'il y a à la fin de Medal of Honor en première ligne. Et je trouvais qu'il lui ressemblait un petit peu. Bon, pas les mêmes couleurs, mais je trouvais qu'il lui ressemblait un petit peu. Mais non, non, en vrai, maintenant que je regarde un peu plus attentivement, non, c'est pas le même. Ok. Bon, mais ça va aller assez vite. Et du coup, il y a trois personnages. Alors du coup, il y a lui, il y a le capitaine. Bon, j'ai oublié son nom. Désolé, il a dit qu'on l'avait qu'une seule fois s'afficher. Enfin, on l'avait déjà aperçu vite fait, mais il nous a jamais accompagné en avion, je crois. Non, en avion, en mission. Donc, première fois qu'il sera avec nous, nouveau personnage, donc il fait partie donc de, il fait partie du groupe du capitaine Riley, de ce que j'ai compris. Coco, mais c'est aussi un capitaine, c'est bizarre. C'est deux capitaines qui travaillent ensemble ou bien, je sais pas. Du coup, qui sont ces gens? Huxley. Ah ben. Who's that? Mais c'est lui. Holloway and the other tail pilots will keep you safe. There's no one better to have your back. Ça aurait été marrant que ce soit lui qui dise, hey, c'est qui lui? Alors que c'est lui-même. Enfin, c'est juste lui avec un masque sur la tête, du coup je l'avais pas reconnu, mais en effet, regardez, c'est vraiment le même. On voit, il a même la petite bande orange là, elle est là et tout. D'accord. Oh, et lui, ça serait pas Müller ? Ah non. Non, non, pas du tout. Vous dégagez. J'ai aucun doute que l'area que vous flyez dans est gardée par des meilleurs pilotes dans la Luftwaffe. Let's hope they don't notice you. D'accord, mais ça, ce sont les pilotes allemands. Je pensais qu'on aurait vu Müller, vu que c'est un peu le grand méchant du jeu. Mais ça, c'est Müller, hein, c'est pas... oui, je suis quasiment sûr que c'est Müller. Je pensais que ça allait genre être un peu le boss final du jeu. Peut-être, ça se trouve, on aura la surprise. Et lui, c'est... Ah, ben c'est... Gronek, c'est ça. Oui. Dr. Gronek, our man at Peenemunde. He's a Polish rocket scientist who's been feeding us intelligence for years. He's risked his life to undermine the Third Reich. I'm glad we're finally pulling him out. Ouais. Donc notre mission principale, les amis, c'est d'aller exfiltrer ce gars qui travaille avec les Allemands, mais pour de faux. Il le fait dans le but... En fait, il travaille vraiment avec eux, mais dans le but d'ensuite nous donner toutes les informations de ce qu'il a appris chez eux. Donc en fait, c'est primordial que maintenant on aille le secourir pour avoir toutes les informations nécessaires pour ensuite pouvoir contrer tout ce que les Allemands ont préparé, simplement. Docteur Gronek. Eh bien écoutez, on va s'occuper de vous. Juste après, avant ça, je propose un petit état d'échauffement en défi meurtrier, le dernier de notre aventure, du coup, les amis. Du coup, il risque d'être chaud, donc on va bien s'équiper. STG. Oui, oui, oui. Ah, oh, t'as pas le dire à chaque fois. The lethality of this weapon frightens me. If you see a German with one, voilà. My advice is to take cover immediately. The sergeant already told pas beaucoup de balles. How much he loves the M1 Garand. Everything he said is true. It's reliable, un peu mieux. Accurate, easy to là. Reload and easy to aim. Of all the semi-automatic rifles in your arsenal,
The Garand has the highest stopping power. Its only drawback is the low magazine size. Ça va. C'est bon, c'est bon. Allez, go. Défi meurtrier, le dernier. C'est parti, les amis. Donc, deux achievements à obtenir ici. Je rappelle donc, déjà de 1, finir la mission meurtrière, et de 2, la finir dans le temps indiqué, dans la difficulté dans laquelle on se trouve actuellement. C'est parti. Wow! Ok! Je m'attendais pas à ce genre de lieu, d'accord. Donc, on est au milieu des missiles V2. Ah oui, c'est impressionnant, en effet. Putain. Ah, ils sont grands, hein, putain. C'est quand on est vraiment en VR au pied de ces missiles qu'on se rend compte à quel point ils sont grands. Ça fait quoi, ça? Ça fait... Ah, ça fait facilement 15-20 mètres de haut, ouais. J'avoue que c'est encore plus grand que ce que je pensais. Donc c'est dans ce hangar que va se passer cette dernière mission. Alors attendez, il est où le truc à prendre pour que ça commence? C'est vrai que c'est qu'une idée de prendre la dynamite pour commencer, mais je sais même pas où... Où ça se situe le début. Parce que moi j'arrive de là, mais là il y a que dalle. Il faut que je monte là-haut? Non. Ah, c'est là, ok. Bah, en fait, là on est dans. Je crois qu'on est dans le hangar qu'on avait en miniature dans le quartier maître en fait. Intéressant. Oui, très intéressant. Bon. Voyons voir. Meilleur temps, quoi? Pourquoi il y a déjà un meilleur temps d'afficher? Je comprends pas. Meilleur temps, 1 minute 44, 13. Temps moyen, 1 minute. Oula! 1 minute de temps moyen, ça va être chaud par contre, les gens. Là, on est sur un défi meurtrier qui risque de nous en faire baver. Bon, en même temps, il fallait s'y attendre, c'est le dernier. Alors, j'espère juste que mon micro est bien réglé, les gens. Je vais vérifier. Bon, ouais, il a l'air d'être bien. Ok, ça va. Et je comprends pas pourquoi il y a un meilleur temps d'afficher, c'est un bug ou bien... Ou alors il y avait ça à chaque fois. Aucune idée, mais nous c'est le temps moyen qu'on a bas, donc une minute, ça va être super chaud les gens. J'ai peur. Bon, avant de commencer, faisons un petit tour du propriétaire. Histoire de voir un petit peu les lieux, de voir où est notre objectif déjà. C'est quoi le truc qu'il faut faire péter? Il y a des gros aiguillages là par terre. Ah, c'est seulement là. Ah, d'accord. Non, ça va, ok. Ok, la distance est très courte. Donc, je comprends le 1 minute. Vraiment, c'est très court. Hein. On commence là-bas et l'objectif, il est là. On a littéralement 10 secondes de marche. Sauf que c'était indiqué qu'il y a quand même 15 ennemis. Ouais, 15 ennemis. Donc, on risque de se faire submerger dans tous les sens. Donc, on n'a pas beaucoup de planques, là, je me rends compte. Ça risque d'arriver de là-haut, peut-être de là-haut. Oula. Ouais, il va falloir être attentif. C'est parti les gens, bon, mission meurtrière, donc je vais sûrement beaucoup crever, hein, comme d'hab. C'est parti. Je suis prêt. Ah merde, ah là-haut, ouais, fallait que je m'en doute. Ah, j'avais bien commencé, mais ouais, les seringues elles partent trop vite. C'est ce que je disais, hein, j'ai rien pour me planquer, les gens, c'est super dur. Ah, ça va trop vite. Ça va trop vite. Si je dois me planquer un instant, c'est super dur. Grenade, putain! Ah, mais ouais! Ah, il les lance bien en plus, ces enfoirés. Faut encore que je tire sur des grenades en l'air, mais c'est vrai. Trop vite. Faut que je me débarrasse du mec là où il est trop dangereux. Là. Ok, il a failli me surprendre lui.
detonator. Trois ennemis. Merde, oh, je les avais pas vus. Putain, je suis arrivé droit sur eux. Ok, c'est court mais intense. Faut être vraiment réactif. Ça annonce la couleur de la mission. La musique avait l'air stylée, mais j'ai plus le temps de l'écouter. Ah merde! Ah, faut être actif, hein, ça c'est sûr. Merde, ça l'a pas buté. Là, j'ai plus de balles. Oh la vache. Ils sont forts, ils font mal en plus. Hein. Ah, je suis à fond les gens, j'essaie de tout donner vu que là on arrive vraiment sur la fin, je jouais proprement. Merde! Ah putain! Ok, vite. Je reprends un peu de stock. Go. C'est peut-être encore faisable. Non, j'ai plus de balles. Oh non. J'ai perdu du temps bêtement là. Non. Ah. Est-ce que j'ai réussi? Pas du tout. Pas du tout. Bon. Normalement, ça s'envoie un achievement. Je sais pas si c'est affiché pour vous. Ça dépend quand il veut bien. Lors du épisode précédent, il voulait bien. Il affichait les achievements. Aujourd'hui, je sais pas. Hein, on verra. Désolé si c'est pas le cas. Bon, 4 étoiles. Bah, évidemment, on n'a pas la 5ème étoile. Donc, il nous manque un achievement. Mais là, waouh. Ça va être dur, les gens. Hein. 30 secondes. Parce qu'en fait. Il suffit pas d'y aller, il suffit pas d'aller là-bas et de revenir en fait. Parce que pour avoir peut-être les étoiles et avoir la chimène, il faut que je tue tous les ennemis. Comment je vais faire mieux de quasiment 30 secondes les gens là, c'est... Voilà, ça va être dur les gens. Merde. Quoi, j'ai pas de seringue, mais c'est quoi cette bague? Bon là je suis mort. Mais pourquoi j'ai plus de balles? Mais c'est quoi ce délire? Bon, à mon avis, le fait d'avoir fait à réessayer n'a pas réinitialisé mes munitions. Ah merde! Bon, c'est un peu mieux. Ah, on voit les 4 étoiles sur le truc là. Allez, go! Non! Putain, il seringue aussi, putain. Ah, je suis baisé.
Bonjour. C'est chiant que le truc se réinitialise pas correctement, là il faut que je refasse tout manuellement. Quand tu finis une mission meurtrière, les... tu gardes les mêmes ressources que quand tu l'as terminé. C'est chiant. Bon. Allez, go. Putain, j'avais bien démarré. Ah. Ah, ça va être sportif. Oh non, j'ai oublié de... Bon, bah, c'est trop tard. Bon, je préfère me laisser crever parce que là, de toute façon, voilà, je pouvais rien faire. Bon. What? Pourquoi il y a une explosion là, monsieur? Il y a des munitions là-dedans? Ah oui. Nice. Parce que là-dedans, il y en a beaucoup aussi. Ah bah oui, c'est mieux que je les prenne, voilà. Ok, bon, je me resynchronise. Voilà. Et on est prêt. Allez, jeune tout! Mais bordel! J'ai mis plein de balles dans la gueule, il crevait pas! Ah, ça y est, maintenant mes ressources sont enfin sauvegardées. Ah, je vous dis, on va en chier là. Dernière mission meurtrière, fallait s'en douter. Voilà. Putain, d'où ils sortent? Ils étaient pas là d'habitude, eux! Putain, ils devaient arriver plus tôt, ils sont arrivés en retard comme des cons. Ah! Ah, je vais en chier. Désolé si ça prend beaucoup de temps, les gens. Là-bas, il lancera pas sa grenade. Désolé. Pas le temps d'aller chercher des seringues, hein. J'ai pas le temps, j'ai perdu du temps. Ça, c'était propre par contre. Qu'est-ce qu'il fait lui? Putain, j'ai fait tomber son casque, il meurt pas! Je suis mort. C'est beau ça. Non, il en reste un quoi. Oh non, je pensais vraiment que c'était le dernier. J'ai mon crâne qui me gratte. Voilà. Je m'en mets en place. Voilà. My goodness. Là par contre c'est dur. Hein. En fait, ce qui est dur, c'est d'aller vite. Parce qu'en soi, elle est pas si dure. Enfin, si, elle est pas évidente quand même, mais le fait de devoir aller vite, ça rend le tout mais 1000 fois plus dur. Pff, la vache. Allez, go. On peut le faire. Mais d'où? Ah, je suis mort. Le Magaran, elle est pratique parce qu'elle est puissante, mais c'est vrai que les balles, elles partent vite. Désolé si ça prend du temps, les gens, on est sur une phase de tryhard, là. Hein. Je me suis focalisé sur sa grenade, j'ai voulu lui tirer dessus au vol et j'étais trop gourmand. Oh non, je suis mort. Ah, peut-être pas. Soigne-toi. Oh, mais le bordel, il rush tout sur ma gueule. My god.
Je tryhard de ouf les gens, vraiment. Là! Oh, j'ai fait un massacre! Oh, 51 secondes, je suis trop fort! Wouhou! Merci beaucoup. Voilà. Ah, là, l'achievement s'est affiché, je viens de le voir du coin de l'œil sur mon écran. Il s'est bien affiché pour vous. Et heureusement. Waouh, il était à l'attente. J'ai bien joué là, hein. Là, j'ai joué comme un pro. Vraiment, c'était propre. Ma petite amagaron, là, une balle par ennemi à la fin, là, ça faisait vraiment tac, tac, tac. Faudrait que je le faire. Ça faisait tac, tac, tac. Très fier de moi. Et là, voilà. Je sais pas combien de temps ça aura pris, mais... Un petit peu, mais pas trop. Voilà. Je sais pas si c'est la mission meurtrière sur laquelle on a le plus galéré, d'ailleurs. C'était pas facile. C'était pas la plus simple, en tout cas, c'est sûr. Allez. Mission accomplie. Ça fait du bien, c'est satisfaisant. Ah oui, la musique. Bon, bah écoutez les amis, nous sommes partis pour découvrir la dernière mission du jeu. J'espère que vous êtes chaud. Je m'attends à du lourd pour cette fin de jeu. Comme je vous l'ai dit, c'est peut-être pas aujourd'hui qu'on aura la fin du jeu. Peut-être qu'il faudra plus d'épisodes, on verra. Ça sera selon mon feeling. Il y a 9 niveaux à faire en tout cas. Allez gars, on se retrouve à bord du Chatsworth Girl, c'est le nom de l'avion. Enfin, je pense qu'on va être dedans. Peut-être qu'on va commencer après. Je sais pas. On va voir. C'est parti. Allez. J'éteins la lampe. Je peux pas. Go! Les fusées de Pinmundi. Pinmundi, je sais pas comment ça se prononce du tout, je suis désolé. C'est parti les amis, je vous souhaite un bon épisode, car c'est maintenant que la mise en scène du scénario va vraiment commencer. Et moi, je vais essayer de bien kiffer. Allez. Là, c'était juste un échauffement. Le dernier vol. Faites le maximum pour que tout le monde survive. Ah oui, d'accord, à ce point-là. Wow! Oh, c'est stylé. Je suis pilote. Assistez-le comme copilote. Waouh! Oh, on est nouveau en avion, ça faisait longtemps. On est à bord du Chatsworth Girl pour la deuxième fois. Trop bien. Beautiful day for flying. Unfortunately, it is time for our little friends to head back. Chatsworth Girl, we are at our fuel limit. I wish I could stay with you all the way. Captain Holloway, you cannot fly on fumes. Thanks for accompanying us this far. Okay. Oh putain, il va s'écraser là. Il n'y a plus de carburant, boum, c'est mort. Thanks for keeping me company while Lieutenant Clayton stretches his legs downstairs. We should have your team at the drop zone in an hour. Sir, this is Charlie in the ball turret. I've got a pair of Foo Fighters at 3 o'clock coming in very fast. Oh damn it, they waited till our escorts left. I don't see any propellers. Merde. Messerschmitt 262s, the jet fighters, brace yourselves. Oh my god. Charlie, do you have them? They're going too fast. I can't get a beat on them. Do your best, Charlie. Your only line of defense. Ollie, how are the wounded? Shoving around to all the legs. Nothing on threatening. I'm gonna look at your laptop quickly. Captain, they're coming back. Oh merde. Là, je vais l'aider. Non. On a les deux moteurs en feu là. Lieutenant, please take command of the ball turret.
Bien sûr. J'espérais que vous... Je pensais que vous n'allez jamais me le demander. Wow, qu'est-ce qui se passe là? Ça part en couille. Ah, celle-là là-bas, ok. Et j'ai vite. Pourquoi il passe pas? Il passe. J'arrive pas à passer. Ah, c'est bon. Bonjour. Oh le bordel. C'est une mission simple. Ok. Allez, bouge alors, qu'est-ce que t'attends? Voilà. Oh, c'est quoi ça? Ok, je les vois. Je suis sous l'avion là en fait. Ok. Il y en a beaucoup. Oh, je les défense. Ok. Merci. Je suis concentré, genre. Ils en sont toujours aussi incroyables, donc je laisse kiffer. Wouhou. Je vous laisserai même pas approcher. Oh putain, ils se sont superposés eux. Oh là, on perd de l'altitude là, on perd de l'altitude. On se rapproche du sol là. Passer sous les nuages. On va sortir de là. Oh merde. Quoi, je suis coincé. Sérieux, je suis coincé dans une trappe. Mais ouais, on va se cracher, j'ai pas envie de mourir en fait. Il va pas pouvoir rester très longtemps dans les airs là. Please, je vais mourir. S'il vous plaît, je vais mourir. Au secours. Oh merde. Adieu. C'est la fin du lieutenant Benoît. Ah ben voilà. Non, non, c'est scripté. Putain, c'est con, ça, je suis coincé dans le truc en dessous et comme par exemple, on s'écrase et je suis au pire endroit pour survivre lors d'un crash d'avion, quoi. Dans le viseur. Qu'est-ce qui va se passer? Empêcher les nazis de s'emparer du viseur Norden. Ah, le Norden pour bombarder. Ok. Bonjour. Je suis vivant. Yeah, that was close. Barely pulled you out in time. J'ai mes jambes encore. J'ai pas de jambes, j'ai juste un torse. Bah, comme depuis le début du jeu. Welcome back to Germany, Lieutenant. Where Eddie got the wounded out. Little Charlie's in bad shape. I see dust clouds on the road. Germans inbound. They know exactly where we came down. Alright, we're gonna have to hold them off while we find a way out of here. I'll let you tend to the wounded. Yes, sir. See if I can't liberate some transportation from these Germans. Lieutenant, we cannot let the Nazis get their hands on the Norden bomb site.
Ok. Ah. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas dû faire ça. Hein. Je dois faire un, quoi, une grenade. J'ai pas compris. Le Norden, il est à l'avant là-bas, non? Ah, génial. J'ai hâte. Ah, il faut le détruire, d'accord. Je dois détruire le Norden pour pas qu'il mette la main dessus. J'avais pas compris ça comme ça. Voilà. Ah, ok, il s'auto-détruit en fait. Oh merde. Les nazis sont là. J'ai pas d'armes. Putain, j'ai que ça. J'ai que ça pour me défendre, les gens. Ça va être très amusant. Peur ici, mon oh, putain. Après, il y a les tourelles qui sont là qui pourraient m'aider. Elles sont peut-être toujours opérationnelles. Ok, on va pas tarder à le savoir. Eh oui, ah, j'aime bien ça. Allez, vous vous dégagez. Vous ne sortirez même pas de ce camion. Ils sont où? Par là. Ah, faut que je descende de l'avion. Ok. Oh. Ah, salut le petit Charlie qui est blessé. Ah, mais il y a plusieurs blessés là. Ok, bon, bah désolé, je suis en train de ça. Oh merde! Oh! Il y a la trappe qui vient de s'ouvrir. Ça, c'est incroyable, ils sont tous blessés, mais il n'y a aucun mort, on dirait. Les grenades Gammon, ça, je dis pas non par contre. Ok. Bon, on a de la chance, hein, le crash aurait pu être bien pire. Il y a un Panzerfaust juste là. Là, il y a des lance-roquettes. Il y a aussi un fusil de sniper. Ça, je ne dis pas non. Ok, je suis prêt. Nice work with that bomb site. Sergeant's finding a ride for us. We need to hold off the Germans till he gets back. Oh putain! Boum! Il faut les retenir. Donc le sergent cherche un véhicule. Putain, merde. Ils sont trop nombreux, ils sont trop nombreux. Putain! Je me fais déglinguer la gueule. Je me fais déglinguer la gueule. J'ai gaspillé toutes mes seringues en deux secondes. Je suis mort, les gens. Non. Ok, ça a l'air chaud. Comme phase de jeu, ça a l'air très chaud. Ah merde, mais je suis nul. Putain, je serais bien retourné dans l'avion pour être plus à couvert. Je vais les contourner. Si je les prends à revers, ils s'y attendront pas. Oh, oh, ça a fait bobo, mais ça valait le coup. Oh
Oh merde. C'est dur, c'est dur. C'est super dur. Je suis encerclé de partout les gens. Je sais pas quoi faire. Ah putain. Alors peut-être il est bien sympa mais il suffira pas hein. Mais je suis nul, en plus j'ai même pas visé. Tant pis. On revient aux bonnes vieilles armes traditionnelles. Ouais bah ça marchera pas non plus. Oh une MP40. Please. Oh oui. Ok. En même temps, c'est la dernière mission du jeu, il faut s'attendre à du fight compliqué, les gens. Ah merde! Ne prenez pas à revers. Oh, bien joué ça. Ah merde, j'ai plus de seringues. Non, mais ils sont partout, c'est super dur. My god. Comme ça défonce les jambes. Je dois m'accroupir de ouf. Ah, toi tu restes là. Ils sont là-bas, ils me voient et de là-bas. Mais d'où c'est passé au-dessus? Putain, je trouve plus ma roquette. Reste là. Merde, non! Non, non, j'avais super bien survécu. Juste à cause d'une putain de grenade. Ah, oh, oh, je suis mort. Ah, oh, ça défonce les jambes. Oh. Fallait s'y attendre, hein. En fait, quand je suis accroupi dans la vraie vie, ça nique les jambes en vrai. Bien essayé. Putain, je trouve plus le lance-roquette. Ah, il est là.
Mais d'où ça passe au-dessus? Là! Ok. Il y a une belle ambiance en tout cas. Hein. Là c'est vraiment la guerre. Oh, oh merde, quel con! Vous avez vu ce que je viens de faire? Pas grave, j'ai survécu. Heureusement, parce que mourir comme ça, ça m'aurait ni, ça m'aurait vraiment dégoûté. C'est ma dernière seringue, bordel. Merde! Non. Heureusement qu'il y avait de tension celui-là. Non, j'ai plus de seringue, please! Ah, oh, je vais me faire niquer la gueule. Ah, dépêche! Retrouvez vos amis quand ils sont tous morts. Vous êtes fort les gars, heureusement que j'étais pas tout seul. Hein. Parce que si j'avais été tout seul, je serais jamais. J'aurais jamais su survivre. Oh my god. Oh je me relève. Oh mes jambes. Oh putain de merde. Oh. Ah oh, ça m'a bien niqué les jambes. Ça va être compliqué du coup pour moi de tenir toute la vidéo, là. Enfin toute la mission du moins. Ouh, va falloir une petite pause là. Petite pause. Pour dégourdir les jambes là. Faire reposer un peu. Rien que le fait de... Vous vous rendez compte, j'en suis à ça, doit être debout. Ça repose mes jambes. C'est... Waouh. Mais quoi? Mais pourquoi ça y est, il m'a soigné instant, le con? Bon bah tant pis, j'ai gaspillé une seringue. Wow, c'était intense, hein. J'étais en PLS dans mon coin. Par moment, je bougeais pas beaucoup, je suis désolé, mais... Survivre était parfois un peu compliqué. Ok, on va bien jouer, les gars. Alors c'est quoi le véhicule? Oh un petit camion! Oh merde! Non c'est pas fini! Il me regarde avec un grand sourire. Ah c'est le niveau est fini. Mais il y a quand même plein de trucs. Ah, c'est-à-dire qu'on va être à l'arrière du camion qu'il faudra couvrir pendant la conduite. Oh, oui, je le vois, je le sens venir. Ok. Ok, ça va être sympa. Waouh, la vache, ça m'a niqué les jambes, les amis. Oh, je suis resté accroupi pendant je sais pas combien de minutes d'affilée, là, et faire des tractions parfois pour me relever, pour tirer par-dessus le muret, et ça m'a détruit les jambes. C'est... C'est la vraie gymnastique, là. Mais c'est sympa, il y avait une belle ambiance de guerre là, on sentait vraiment qu'on luttait pour notre survie, j'ai bien aimé. Mais ça m'a niqué, ça m'a épuisé, j'imagine pas dans la vraie vie. Red Tails, les queues rouges. Ah, ces petits avions. Des médicaments et du matériel, ok. On a l'air du camion, c'est bien ça. Ouais, pour soigner les blessés. Parce qu'il y a pas mal de blessés, donc il faut trouver de quoi les soigner. How you feeling, Sarge? Oh, I'm fine, Ollie. You got pretty banged up in the crash. Ah. Motherfucking goddamn piece of shit. What? Fuck, 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 fuck! Ça va comme tu veux, mec. What's happened? Oui. We're out of gas. Sergeant. Quoi? How was your recon? Well, lots of activity on the main road. There might be some sort of outpost nearby, maybe a supply. Ah, mais on a roulé entre temps, ok. How's little Charlie today? Not good.
We need medicine. I don't think you can last much longer. Well, it's only a matter of time before the Nazis find us hiding in the woods. En fait, on a roulé, on est parti plus loin pour faire un petit campement pour les blessés, d'accord. Fever and infection setting in. We need to get to a hospital in England. We need to fly. They shot down my plane, Ollie. Well, then let's find this supply depot. Let's steal medicine and fuel, and then let's head to Peenemünde and get ourselves a new plane. Well, let's go. Ah, mais on est censé trouver le mec, là, gros, je suis quoi, là, monsieur gros. Gronkei, je sais plus comment il s'appelle, là, c'est pas ça. Bon. Prévois un chemin dans la forêt pour rejoindre les alliés. Ah, j'allais dire, oui, si j'y vais tout seul, c'est une arnaque. Ok. J'ai un sniper avec moi au cas où. Quoi? Mais... Ah oui, d'accord, les Allemands, ils... Ah, j'en ai marre de ces grenades à la con. J'arrive pas à leur tirer dessus dans les airs, j'ai réussi qu'une seule fois, c'est super dur. Ah d'accord, ils sont crashés avec un Alftrax. Oui, les Allemands, ils nous cherchent dans les bois, c'est pour ça qu'il a dit qu'ils vont nous débusquer, donc... Mais par contre, ils sont partis sans moi, mes alliés, je vais les retrouver, mais genre, ils sont partis, ils disent, oh, vous nous rattraperez, lieutenant. Bon, le sniper, il est bien gentil, mais... Prendre ça. Toujours une belle ambiance. Par contre, moi, ce qui m'inquiète maintenant, les amis, c'est par rapport à l'achievement qui demandait de faire un kill avec une boule de neige, parce que là, maintenant, on n'est pas du tout dans un environnement enneigé. Donc la boule de neige, je peux me la foutre dans le cul. Voilà, il faudra que je me renseigne sur ça à la fin du jeu. De toute façon, quand on aura fini le jeu, on le refera un petit peu pour... Pourquoi c'est bon, il y a des caca par terre. Ah non, c'est des pommes de pin. Oh, je pensais voir des crottes. Je pensais voir des crottes par terre. Il y a des gens qui ont chié, là. De toute façon, quand on aura fini le jeu, les gens, on devrait y rejouer, de toute manière, pour avoir les achievements qu'on a manqués, en tous les cas. Donc, oh, par contre, je me suis rendu compte, j'ai pas regardé s'il y avait des collectibles dans les deux premiers niveaux. Oh putain, et dans celui-ci, il y en a trois. Bon, je suis désolé s'il y avait des collectibles dans les deux premiers niveaux. J'étais tellement à fond dedans que j'ai pas pensé à regarder. En vrai, je pense pas, parce qu'on bouge pas vraiment de notre zone. Quoique, un livre de code, c'est pas impossible qu'il y en avait un. Mais dans ce niveau-ci, il y a trois trucs, un de chaque sorte. Donc on va bien ouvrir les yeux maintenant. Désolé, du coup, j'ai pas bien fouillé. Je refouillerai... Enfin, je regarderai au menu principal après, si j'ai loupé des trucs. Ah, je peux pas aller voir ce qu'il y a là-bas. Ah, si, voilà. Je voulais aller voir près du Alftrax, s'il n'y avait pas quelque chose à l'intérieur. Non, il n'y a rien. Bah, let's go. Ah, ils ont chié partout, ces Allemands. Oh là là. Regarde-moi ça, il y a des crottes partout. Oh oh. Ah, voilà l'avion rouge. J'avais dit qu'il y a des petits avions rouges, on les verrait. Bah oui, ils sont là. Ah, c'est pas le même. Ah non, c'est. Quoi? Attendez, mais c'est l'avion du mec qui était avec nous. Il avait plus de carburant, il s'est écrasé. Donc, on va trouver l'autre capitaine là. Putain, il me tire à travers les arbres. Ça j'aime pas trop, je vous avoue. Mais bon, et j'en ai marre. Hein. Les grenades dans ce jeu, je n'arriverai jamais à les lancer correctement. Enfin, si, des fois, oui, mais je sais pas pourquoi, des fois, il les lance sur lui-même. Putain! Là. Du coup, là, il y a l'autre capitaine, je sais plus comment, là, normalement. Ce que j'ai reconnu, c'est son avion. Ah, oh, putain, il s'est écrasé, en fait, quand il avait plus de carburant. Alors, il s'est fait abattre par les autres petits avions sur son chemin. Ce que je le reconnais, cet avion, c'était l'avion qui nous escortait au tout début. Merde. Et vu la gueule de l'avion, c'est pas impossible qu'il soit mort. À moins qu'il ait sauté en parachute. Eh oh, t'es vivant? Ouais, je suis pas sûr. Faut que je fouille pour les collectibles, moi.
qu'il y en a 3, un de chaque sorte. Et je vais essayer de pas être aveugle cette fois-ci. Mais pourquoi je suis tout seul dans cette forêt? Ah, oh, c'est Oli. Ouais, bah je pense avoir une petite idée de qui t'as trouvé. J'arrive. Planifiez votre attaque de la base. Eh ouais, le voilà. Putain, t'as survécu, mec. Bravo. Oh. Ah, bah vous avez pris votre... Vous avez pris votre temps, vous. Anthony. Somehow, I am not surprised to see you. Captain, I'm happy you found a way to join us. The Colonel and I may have bent a few rules, but it was a one-way mission. There's no way you could have had enough fuel. We figured if I found where you went down, I could radio your location back to Colonel Ebbets before I had to ditch. But I got jumped by a trio of 262s. Ah, voilà. Those jets? That doesn't seem fair. For the Germans. Yeah, they explode real nice. But they did take my engine out before I could take them out. I did find your crash site, but there was no bomber. The Chatsworth girl was gone. Those bastards must have stripped her for parts. Ah ouais. The Germans will do the same to us if we don't make it out of here. We need fuel. And medicine. Look, they got all that. Down at the supply depot. The staging area for all German units within 100 kilometers. I've had eyes on it for the last 2 days. Captain, in your judgment, can we successfully extract the supplies we need from down there? Yes, Sergeant. I believe we could. Ah, la planification, ça c'est la deuxième fois qu'on fait ça du jeu. La première fois, les amis, c'était vraiment au tout début du jeu. Ah, des mortiers. Ok, ah putain, ça c'est stylé, les amis. C'est... Je pensais qu'on allait avoir ça plus souvent dans le jeu, mais finalement, ce n'est que la deuxième fois qu'on a ça. Je sais pas si vous vous rappelez, vers le début du jeu, on avait eu pareil lorsqu'on devait attaquer le convoi dans lequel il y avait Louis. D'ailleurs, Louis, je sais pas ce qu'il est devenu, c'est vrai, en parlant de lui, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Enfin, on a vu qu'il avait apparemment... Bah, comment dire, qu'il avait repris... Enfin, qu'il était repassé du bon côté. Il avait aidé là, lors de l'attaque de Dubuisson. Mais depuis, on l'a pas revu. Je sais pas ce qu'il est devenu. Bon, du coup, nouvelle planification. Alors, le campement, il a l'air grand, donc on le voit, il est là-bas derrière. J'essaie de voir par... En fait, j'essaie de voir d'ici où on est par rapport au camp, en fait. Par contre, je veux pas dire, mais... À quel moment, les gars, vous vous êtes ramenés ici, vous avez construit cette maquette au milieu des bois, en si peu de temps? Personne ne me l'explique, ça. Surtout qu'il y avait même les petits drapeaux, ils sont même animés et tout, quoi. Ils se sont fait chier de ouf. Bon, donc le drapeau, il est là-bas. Ok, je le vois. Donc nous, on est quelque part par ici, en fait. Donc là, je le vois par rapport au bon sens. Ouais, ok. Donc on doit aller chercher des médicaments et du carburant, et même peut-être des armements, tant qu'on y est. La pharmacie, où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'il y a un bâtiment qui ressemble? Oui, là, il y a une tente. Là. À mon avis, c'est là qu'on va devoir aller. Nous, on arrivera d'ici. Donc, s'il y a un bombardement, moi, je mettrai plutôt... Ah, ou alors, c'est peut-être là-bas, le centre de soins. On va pas le faire péter, alors. Là, il y a des camions, des barils et tout. Ça pourrait faire bien mal. Là-bas aussi. Là, ici, il y a des half-tracks, par contre. Ainsi qu'un mirador, ça peut être pas mal aussi, une frappe de ce côté-là. Parce que si nous on arrive de par là et qu'on rentre là, si on bombarde cette zone-là, au moins on sait que le côté gauche, il sera plus sécur. On va pas se reprendre en sandwich, j'ai deux côtés. Cependant... Moi, je le mettrais plutôt là-bas. Ouais. Merde, c'est vrai que c'est cette touche-là. We could use the off-track for support. What route should we take? Ah ouais, on va utiliser un half-track. Quel trajet devons-nous suivre? Ah, dans tous les cas... Ah, bah du coup, c'est ce bâtiment-là qu'il faudra atteindre. Je pense pas que ça, c'est la meilleure idée, vu que nous, on va arriver de par là. Moi, je le mettrais plutôt là-bas. Hein. Quoique, le trajet, il est court, là. Celui-là. Where would you like to position yourself? Moi, j'aime positionner. Avec un sniper, peut-être.
Ah d'accord, d'où moi je vais arriver, ok, je peux choisir d'où je vais rentrer. Enfin, moi je veux rentrer d'ici en fait les gars. We're all set. Ollie, you keep your head down. Yes, sir. Alright, let's get what we need and get the hell out of here. Bombardement là-bas, le Frexai, moi j'arrive de là. Ah là, ça pète là-bas du coup. Éliminer tous les ennemis de la base, ça va essayer d'être long. C'est parti! Lieutenant Benoît à la rescousse! Il n'y a personne? Putain, mais il est grand le campement. Si je trouvais tous les trois trucs à collecter là-dedans, ça va être long. Et là-dedans, il y a forcément quelque chose. Bâtard! Okay. Oh, mais attendez, regardez! Oh! C'est des photos de reconnaissance qui sont projetées, donc ça veut dire qu'elles doivent être là? Et si elles sont projetées juste là? Parce que sinon, ça c'est des photos de reconnaissance, les gens. Il faut que je trouve. Putain, ils sont en train de m'encercler, mais ouais. Putain, je vais devoir tenir combien de temps dans ce bâtiment? Le Alphrax, il a dû partir de là. Oh, la musique est géniale. Attendez, ça, je suis intrigué. Là, vraiment, on voit une photo de reconnaissance, là, qui est... Oh, putain! J'ai failli ne pas le voir! Les archives! Parfait. Et selon moi, les photos de reconnaissance, elles sont là! Je suis désolé, je vois les... Elles sont là! Comment je démonte ce truc? Comment je suis le câble? Non, c'est juste une prise. Bon, bah alors c'est que c'est pas ça. Bon, on a déjà un truc. Non, finalement, c'est pas ici, le truc de soin, donc c'est peut-être là-bas en face. Bah non, c'est dans le bâtiment là-bas, bah oui. Oh oui! Oh, j'ai trop de chance! Je trouve tout hyper rapidement pour une fois. Ça veut dire que les photos de reconnaissance sont peut-être dans ce bâtiment-ci aussi. Si tout serait dans le même, ça serait vraiment pratique pour moi. Putain, moi, je les aurais bien vues ici quand même. C'est intriguant qu'elles soient exposées là. Oh, tiens, tiens. Joujou de Marcel. Peut-être ici alors. Non, elles sont pas là. Fais chier. Le Frax est déjà là. Oh oui, le mortier. Eh ouais, bah oui, moi j'avais mis à cet endroit là, j'ai été malade de mettre là finalement. Putain, c'est quoi cette fenêtre blindée? Faut pas tirer à travers, c'est quoi cette merde? Kaboum! D'où? Kaboum! Allez, gars, aidez-moi, oui, voilà! Ils s'en battent les couilles par contre, il y a une mec dans la frac juste à côté de lui, mais ils s'en battent les couilles.
Ouais, j'ai pas envie de passer à côté des de reconnaissance, ça me ferait un peu chier. Donc c'est vraiment pas ici, c'est sûr. Il y a plein de plans là pourtant, ça aurait été un endroit pas mal. Mais ça, je veux dire, ça m'intrigue. Hein. Le fait que... qu'il y ait ça, ça m'intrigue. Moi, ça me fait justement dire que... qu'il est là, en fait, mais non. Ça aurait pu être un indice, voyez-vous. Mais non, il n'y a rien. Dommage. Mon hypothèse n'était pas la bonne. Bon, on va avancer un peu. On va aller explorer le reste du campement. Moi j'aurais pu rentrer par là si je voulais. Bien, la mission a une bonne rejouabilité, du coup on peut rejouer et c'est pour ça que ça se passe différemment. Oh merde. Voilà, je me suis fait encercler de ouf. Merde. Merde, y'en a pas mort avec ça! Plus de balles. Ici, il pourrait y avoir des photos de reconnaissance, il y a des plans et tout. Oh pff, j'ai réussi à l'envoyer là-haut. Je suis allemand. Alors je vais passer à Cognito. Actuellement en train de fouiller, hein, au cas où les gens... J'ai bien compris qu'il fallait aller là-dedans, le problème c'est qu'il y a encore tout ça là-bas à fouiller. Les photos de reconnaissance, elles pourraient être n'importe où dans ce campement. Faut que j'aille fouiller les gens. En plus, il y a peut-être des ennemis dans le coin là. Pourquoi ils ont mis un petit casque sur la tente là? On va aller là-dedans. Non. C'était sûr. Je m'en doutais qu'il restait du monde à un endroit. Qui m'a touché ? Pris une balle de je sais pas trop où. Putain, c'est grand, c'est grand, c'est grand. Je le sentais.
J'ai sorti mon arme. Ah, attendez, ici c'est pas mal aussi. Et là, il y a plein de matériel médical. Au pire, je peux pas donner ça au petit Charlie. Bon, ce truc-là sur ma tête, il m'énerve. Putain, j'arrive pas à l'enlever. Là, voilà. C'est un autre? Je sais pas. Putain, mais enlever les casques sur ta tête, c'est un enfer des fois. Les grenades Gammon, c'est bien mieux que les grenades allemandes. Oh, le con. Oh, je sais plus si j'ai déjà mis ça sur ma tête. Oh merde hein. Ce qui fait chier, c'est que j'ai trouvé deux trucs en très peu de temps au même endroit et le troisième impossible de mettre la main dessus quoi. Bon bah là, ce coup-ci on a fait tout le tour. Hein. Ouais. Bon, peut-être qu'il est là-dedans après. Hein. On va aller voir. Oh merde. Everything we can before reinforcements arrive. Everyone grab a crate. Suivez vos alliés lors de la base. Ok, attends, je fouille vite fait ici avant. Ouais, il faut que je charge les caisses normalement. Merde, il y a des ennemis qui arrivent. Ah merde hein, je suis passé à côté, c'est sûr. Ils ont pas dit que je vais prendre ça? Non, ça fait automatiquement en fait, ok. J'ai juste aller suivre ce camion là, on s'en bat les couilles. Ah, je pensais les escorter, d'accord. Bougez pas les gars, j'arrive dans un instant. Il manque juste quelque chose d'abord, que je compte bien récupérer. Parce qu'il est hors de question que je passe à côté. Je suis presque sûr que c'est ici. Putain, ça là, c'est pas normal. Là, il y avait les archives. Là-bas, dans la pièce à côté, il y avait le livre de code. Putain, je vous jure que si on l'a vu de mon point de vue et que je ne l'ai pas vu moi, je vais encore me prendre pour un énorme con. La logique voudrait que ce soit dans cette pièce-ci. C'est pas eux là? Attendez, je crois que c'est eux! Non, attendez! Oh là, j'arriverai pas. Oh. Là, j'ai l'impression de voir hein, des photos de reconnaissance qui dépassent. Non, je peux pas les ramasser. Merde, j'étais presque sûr que c'était ça. C'est ça alors? Non, c'est pas ça. Non, c'est des plans, c'est pas des photos de reconnaissance, c'est des plans. Ah merde! Oh!
Eh, je l'ai déjà mis ce beau chapeau. Désolé, je sais qu'on perd un peu de temps. Là. Putain, non, c'est pas ici, hein. Ah, bordel! Je déteste louper des collectibles, parce que je sais que j'ai dû me retaper le niveau du coup après. C'est ça que tant qu'à faire, j'avais aimé le trouver. Mais... ils sont barrés sans moi. Non, j'étais tellement lent, je les comprends. Bon. Malheureusement, c'est perdu, c'est ça? Ah. Je sais pas où est-ce qu'il est, ce truc, mais ça m'énerve. Hartung? Bon, bah, tant pis, hein. Oh. Bon, c'était pas vraiment au vol ça. Et voilà, on est revenu au campement avec tout le matériel. We got everything we needed and then some. Fuel, food, medicine. Even little Charlie's feeling better. Jesus Christ, please stop calling me that. What's the plan now? Well, we're going to Penamunde and flying everyone out. Come again? We stole this truck. Who's to say we can't steal an airplane? You want to sneak into Nazi Germany's most guarded facility? Somehow find a plane big enough to fit everybody and fly out of here? Welcome to the OSS, Captain. I appreciate the audacity of your plan. I really do. But it's nuts. Life is usually a pageant of idiots. Encore. But occasionally, you find yourself in the company of good people. And then, anything is possible. Let's go. Ça, on a de l'essence. Les grands sourires qu'ils ont, des fois, ils font peur. Bon, malheureusement, on n'aura pas trouvé les photos de reconnaissance. Ah, je suis deg. J'aurais vraiment aimé les trouver. Du coup, là maintenant, on part en direction de la base la mieux gardée d'Allemagne. Bah, la base de Peenemünde, je sais pas comment il faut dire, aucune idée de comment ça se prononce. Ah voilà, Peenemünde, on y est justement. Utiliser un V1 pour faire diversion. Ah oui, à ce point-là, d'accord. Doctor, we're on the beach. Right on time, Sergeant. First rocket of the day is just going up. No one will be looking your way. Ooh. Je la vois. Wow. I've seen the craters those things leave. But I've never seen one launch. Yeah, we're at the dawn of some new age, that's for sure. Let's hope we win this war, or we're all fucked. Sergeant and I will scout out of here, but we got out of here again. God, whoa. Stylé, stylé. Enfin, stylé. C'est flippant, mais c'est stylé. Alors, dans ce niveau, une photo de reconnaissance. Cette fois-ci, je vais me venger. Waouh, oh, d'accord, on est arrivé en bateau. Ah, on a fait du voyage depuis. Ah, j'ai pas d'armes. Bon bah, maintenant j'en ai une. Et maintenant j'en ai une deuxième. Maintenant j'en ai une deuxième. J'ai pas un petit flingue quelque part? Non? Bon, tant pis. Peut-être là-dedans. Ah oui. Merci. Bio, beaucoup. Ça, je prends aussi. Et bah voilà, on a tout ce qu'il nous faut. Bon. C'est parti pour rentrer à Peenemünde. Bon, à quoi elle ressemble cette base là? Laissez-moi voir ça.
Quoi c'est que ça? Bon. C'est rien du tout ça. Wow! J'ai rien dit. Ça c'est un V1 ça. Well, I think we found the buzz bomb test range. Ouais. Donc c'est le docteur Grenette qui nous parle, ok. Oui, il nous parlait déjà avant. That should be good. All right, Doctor. The lieutenant will take care of business here, then meet up with you at the propulsion lab. I look forward to it. I can't wait to get off this godforsaken island. Ah, on est sur une île, d'accord. Come in, Chatsworth's finest. Are you there? We are in position and awaiting your signal, Emily. How's the munchkin? Not good. It's taken a bad time. Ah, merde. Understood. Please stand by for my next transmission. Abilene out. All right, let's start the clock. I'm gonna figure out how to get a truck in here. And I'm gonna find us our plane. I think so. All right, Lieutenant. You need to draw as much attention over to this part of the island as possible. Let's move out. En fait, oui, la raison pour laquelle on doit absolument trouver un avion, c'est parce que c'est aussi un moyen d'exfiltrer le docteur Gronek, en fait, qui est en train de donner les différentes informations sur le lieu au passage. Trouver un moyen de lancer une pulso-réacteur de V1. Ouais, pour faire une diversion. Et là-bas, je vois qu'il y a quelques scientifiques. Ah, ça va être le bordel, les gens. Et je dois également trouver des photos de reconnaissance dans ce truc, putain. Après ça c'est qu'une petite partie de la base je pense, hein. Ça c'est la partie des tests de V1, l'autre partie de la base est là-bas dans le fond. Bon bah comment faut y aller hein. Oh putain, y'a du monde là. Les scientifiques sont armés aussi. J'aurais bien aimé procéder discrètement, mais là ça va être compliqué. À mon avis, le cratère qui est là, c'est un V1 qui a du mal tourné au lancement. Quand faut y aller, hein. Headshot. Mais genre, je vais enlever son casque et il meurt pas. Putain, y'a un sniper là-bas. Kaboum! Oh non! Ça fait peur, il passe à travers le sol, ok. Le mec qui est là-bas, attention. Voilà. Là-haut. Par les fenêtres là-haut, j'ai vu du mouvement. Wow! Pas fait exprès. C'est quoi ça? J'ai vu un bout de vitre voler. Toi, t'es mort. Si t'as survécu à ça, je comprends rien. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Quoi, plus de balles? Merde. Quoi, merde? J'ai plus de balles dans rien!
Faut de nouvelles armes. N'empêche qu'il est bien lui. Quand ça va barder, je vais me faire déglinguer la gueule, donc je prends vite ça. Oh, j'aime bien l'ambiance des combats qu'il y a ici. Je vais le garder. Bonjour. C'est dur d'être ici avec les snipers, mais c'est quand même bien pratique quand même. J'espère que vous avez caché que ça... Je sais que le rendu des lunettes de sniper en VR rend très bizarre pour vous. Mais pour moi aussi, sachez-le. Ils peuvent rien faire à cette distance contre moi. Avec leurs armes. Toi. Voilà. Merde, j'ai loupé. Il y en a beaucoup quand même. Hein. Là, j'ai fait tomber son casque, mais lui meurt fort. Là. Ouais, j'ai perdu beaucoup de balles, c'est bien ce qui me semblait. Photo de reconnaissance, il y en a. À mon avis, ça doit être dans un endroit comme celui-ci. Ouvrons bien les yeux cette fois. Il n'y en a pas ici. Ah là-bas il y avait un. C'est peut-être là-bas qu'on va faire larguer. Ou celui-là. A voir. Non, celui-là il a l'air d'être monté. Celui-là il lui manque l'avant. Non, celui-là il est pas prêt. Ouais, celui-là il est déjà sur une rampe. Donc ça va être celui-là. Mais avant de le lancer, je veux trouver cette putain de... photo de reconnaissance. Oh, attendez. T'as dit quoi, toi? Merde. Ouah, j'ai failli avoir une mort nulle. Attendez, j'avais pas vu, mais là, regardez. On peut rentrer là-dedans. Alors, je vais aller y jeter un œil. Ah, je le sens bien ici. Plus l'entrée, elle était un peu discrète et tout. Allez, please. Oh, faites pas genre, il n'y a rien ici. Ce qui est faux, en fait, c'est que moi, j'imagine souvent ce truc-là, soit posé sur une table ou accroché à un mur. J'ai du mal à imaginer ça par terre, et du coup, je regarde peut-être pas assez au sol. J'ai pas l'impression que ce soit ici. Ou alors je suis vraiment aveugle. Ouais,
D'accord. On a tous vu la même chose, hein. Un mec qui est tombé du ciel. Ah, il remonte. Il va refaire un autre plongeon. Ça veut dire qu'il y a un moyen de rentrer là-dedans. Il faut que je le trouve. J'étais là, ouais, mais monter dans la tour. Parce que là-haut, ça peut être un beau spot aussi pour y mettre des photos de reconnaissance. Là, voilà. Je l'avais pas vu tout à l'heure, cet endroit. Là-haut, ça doit être pas mal. On va avoir une belle vue au passage. Ah ! Putain, je m'attendais pas à voir un mec. Deux mecs. J'espère qu'il y aura un autre sniper pour moi au passage. Parce que dans le mien, là, j'ai plus qu'une seule balle. Oh. Ok. Yes! Je le sentais bien. Parfait. Mission accomplie. Et un autre sniper. Parfait, j'ai exactement tout ce dont j'avais besoin. C'est stylé, j'aime bien la vue qu'on a d'ici. Dommage qu'à plus personne, je me serais fait un malin plaisir à tirer avec ça. Là-bas, il y a. Là-bas, c'est l'usine de V2. Là. Là, ici, on est dans la section de V1. Ok, ok. Okay. Là, par contre, je veux pas dire, mais. Un mec, s'il faisait son boulot avec ça, il aurait clairement pu nous voir rentrer direct là-bas. Bon. Selon moi, c'est celui-là là-bas qu'il va falloir larguer. Pour faire une diversion. Voilà. Magnifique. Et j'en ai un autre au cas où. Une bougie d'allumage, oui, pour pouvoir démarrer celui-là. Ok. Là-bas. Ouais, pas personne dans le coin. Il y a plein d'armements ici aussi. À moi. Ça va se ramener, c'est sûr. Là. On n'approche pas le bon oeil. Oh, magnifique. Boum. Tiens, il passe à travers le sol. Ça, c'est insatisfaisant, par contre. Moi, j'aurais aimé me voir rebondir les barils. Ah, je me fais plaisir, écoutez, il y a plein de Panzerfaust. Faut bien qu'ils servent à quelque chose. Palalalala. Donc, c'est bien celui-là qu'il faut faire démarrer, non? Oui, c'est bien celui-là. Personne? Ok. Hop. S'il vous plaît. On va reculer. Retirer la queue cassée. Ah d'accord. Pour le faire partir en couille peut-être. Ça va faire quoi en fait? Ok, mais ça va provoquer quoi? C'est juste un lancement comme ça pour attirer l'attention ou ça va juste ça va faire des dégâts? Là, il m'a l'air légèrement défectueux. Oh oui. Oh, ça fait presque aucun dégât. Oh, j'ai rien dit.
Ok, ça a bien attiré l'attention, ça, oui, ok, je comprends. Donc, faut trouver le docteur Groneck. Ok, j'aime bien la mission. Elle est sympa. Belle ambiance, des beaux combats. Assez satisfaisant. Et je gère plutôt bien, hein. Il y a pas moment où, au début, je galère un peu, là, à la fois, il fallait défendre auprès de notre avion, là. Là, j'en avais chié. Mais là, depuis, je suis plutôt bien. Alors, Rodenschön Verboten. Alors, Zutrig Verboten, ça veut dire accès interdit, mais Verboten, ça veut dire interdit, je crois, en allemand. Ouais, Verboten, c'est interdit, mais je sais pas ce que ça veut dire Rodenschön. Je sais pas. Bon, Dr. Groneck, j'arrive. Rencontrer le Dr. Groneck. Bah. Alors, Toto. Alors, dans ce niveau, il n'y a aucun collectible, parfait, pas de prise de tête, du coup. On est parti. Screamer, c'est bon. Est-ce qu'on va juste être accueilli? Ok. American Commando, don't shoot. It's your science ally, Dr. Groneck. Ça va, ça va. Ça va. Bonjour. Come, come, please. Come, come, come. Ok. This is the A4 Propulsion Research Center. Impressive, yes. Welcome to the most advanced rocket laboratory in the world. It's amazing what happens when math is used for evil purposes. Attention, fire brigade! Reports of smoke and fire at the Pulse Center. They've taken notice of your handiwork. Bah, c'est le but, non? Time for me to leave. And time for you to spring your next trap. Okay. In here. You can make a boom big enough to match von Braun's sizable ego. Good luck. No. Oh. Don't worry about shooting my colleagues. They're all Nazi assholes. Okay, t'inquiète. Ah, on est dans le fameux entrepôt où il y avait la mission meurtrière, je crois. Ah non, c'est pas le même. Ah, ok, voilà tous ces collègues dont il parle. Bah, on va les buter, hein. Désolé les gars. Vous avez des MP40 sur vous, je vais pas avoir de la pitié. Et avec tout ce qu'il y a ici, on va de provoquer une assez grosse explosion. Ça peut être sympa. Ah bah d'accord. On va servir de ça, tout simplement. Combien de balles tu as, toi? Oh, pas grand-chose, tant pis, je garde celle-là. Bon, désolé les gars. Hein. Au revoir. Désolé. C'est la vie. Oh putain. Faudra peut-être que je foute le camp d'ici, moi, non? Ok. Faut continuer. Ok, donc on va éliminer tout le monde. Dommage, je m'attendais à une plus grosse explosion, que ça tue tout le monde dans la salle, mais ça a seulement carbonisé la gueule... j'ai envie de dire désintégrer la gueule de deux pauvres mecs, là. Bien. Oh putain, il y a du monde qui arrive. Merde. Accroupi. Ça m'avait pas manqué. D'où? Il y a un mec qui me touche, je ne sais pas où. Mais merde. Mais quoi? Mais d'où? Oh, ça me pète les couilles. Y'a un mec qui me touche à travers les murs, on aurait dit. Bon, bah, malheureusement, on doit recommencer. Dommage, j'étais chaud.
mauvaise idée. Ils sont combien? Ah putain, les seringues. Merde, je suis foutu. Ah putain, ah ça va être chaud là, ce passage. Ça va être tendu, ouais, y a beaucoup de monde. Calibre, voilà. Non, on va rester ici, ici on est bien, on se plaint de kill. La MP40 est quand même bien précise malgré tout. Mais ils sont combien par contre? Oh, s'il y avait un petit Panzerfaust là, ça me ferait bien plaisir. Munitions diminuent. J'avais 300 balles à la base. Et là, il me reste plus qu'à peine deux chargeurs. Yes, enfin fini? Peut-être. Finally. Oula, 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 j'ai des frises. On se calme le jeu. Merci, ça fait longtemps que tu m'as pas fait ça. C'est bon. Putain, ça a pas fait plus de dégâts que ça, un V2 quoi. Ah, je sais qu'il était pas monté et préparé, mais quand même. Il y a deux entrées. La fumée, c'est moi qui tousse en fait. Ah ok, je suis en train d'étouffer. Merde, en fait, je suis en train d'étouffer, il me faut un Vista Mask en fait. Vite, 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 avant que je crève. Ah. Oh putain, oui, en fait, la fumée commence à envahir la pièce et... Oh putain, oh, j'ai eu le bon réflexe, parce qu'il n'y avait pas d'objectif qui me disait de le faire. Il commence à y avoir trop de fumée dans la pièce. Oh, putain, on voit plus rien d'ailleurs. My god. Ah, j'aurais dû attendre, et ils auraient fini par suffoquer les ennemis. Putain, ils ont des masques aussi. Ils ont des masques aussi. Oh, c'est stylé là. Il y a le site avant qu'il brûle. Ouais, ouais. Il y avait une autre porte là-bas. J'aimerais bien aller voir. Ah, attendez, il y a un étage ici. Y'a que dalle.
Je sais qu'il n'y a pas de collectible dans ce niveau, mais... Ah non, il y a juste des trousses ici. Ok. C'est très stylé, hein, les gens. Attends, on voit... Là, par contre, là, ça va être... Ça va être intense, là. Waouh, j'en vois que dalle. Heureusement que vous avez des lampes, sinon je vous verrai pas. Moi, j'ai pas de lampe, par contre. Je vois rien. Merde, j'ai plus de masque. Ils ont pété mon masque. Oh, ils avaient pété mon masque, les enfoirés. Putain, ils peuvent faire ça. Putain, ils me l'ont répété. Heureusement qu'il y en a beaucoup. Putain, j'ai plus de balles. T'es là. Non. Là. Non. Là. Putain, non. Oh, mais si j'ai plus de balles, comment je vais faire? J'ai lancé des balles pour MP40 là, du coup, j'essaie d'aller la retrouver. Ah, elle est là. Voilà qui est mieux. Oh my god. Oh la vache. C'est intense. Merde, mais dès que je prends une balle, mon casque il est pété. Oh. Ah, ça brûle. Oh. Putain, mais comment je peux faire? Regardez ça, dès qu'ils mettent une balle, ils pètent mon masque. Je peux pas survivre dans ces conditions. Comment je peux faire? Oh, c'est dur là. C'est chaud, hein, sans mauvais jeu de mots. Ça me rappelle l'autre là-bas. Là-haut, ils sont là-haut. Tiens, prends-le. Ah, recharge, voilà, c'est bien. Putain d'enculé. Y'a plus de masque, y'a plus de masque, y'a plus de masque. Si. Oh, mais je vais plus en avoir là. Je vais devoir taper un rush de la mort en fait, j'ai pas le choix, je pense. Sprint de la mort, let's go. Oh. J'ai plus de masque, tant pis, on y va, on y va, on y va. T'as pas un masque ici? Je sais même pas où je dois aller. Là où? Vite! On les laisse crever, on les laisse crever ici, on s'en fout. Ah. Oh, j'ai réussi, my god. Oh, je suis un héros. Merde, oh, désolé, j'ai passé ton dialogue. J'étais tellement pris dedans. Désolé, sergent. Oh la vache. Et ce que je viens de faire là, c'était héroïque. À vivre en VR, c'est toujours aussi exceptionnel. Bon, désolé, sergent, j'ai passé votre dialogue, du coup, je sais pas trop ce que vous comptiez dire. Je suis vraiment désolé. Balistique. Fuyez avec le docteur Gronek, oui, oui. Putain, mais j'ai vécu l'enfer, là. Désolé, sergent, désolé, je vous ai complètement foutu un vent. Jeez, lieutenant. I think you got their attention. Quoi? Right on schedule, doctor. Ready for the next stage? I've been ready since the Nazis annexed Poland.
Where's the rendezvous point? Have the lieutenant meet me in the computer room. What the hell is a computer? It's a sort of thinking machine. Oui, c'est vrai que c'était nouveau pour l'époque. Thinking machines. That's all we need. Lieutenant, search the advanced ballistics lab for some research thermite. It will come in very handy. Okay. Thermite always does. Doctor, the lieutenant is headed your way. J'ai trouvé la thermite. La salle de conception puis la salle d'ordinateur. C'est quoi un ordinateur? Oui, mais c'est vrai que pour l'époque. Ah ouais, moi je viens de là en fait, ok. Et en approchant cette porte là, ça a activé la suite, ok. Mais malheureusement j'ai passé le dialogue, je suis vraiment désolé les gens, d'habitude j'aime bien tout regarder avec vous. Hein. Alors, un livre de code à trouver dans ce niveau, ok. Bah, j'ai bien foutu le bordel, je suis fier de moi. Oh merde. Oh, ça a rien fait, sérieux. Là, c'est fini. Oh putain. Je vais fouiller cette pièce juste après. Calme-toi. Plus besoin de lunettes ici. Hop. Alors, moi, je cherche un livre en particulier qui s'appelle un livre de code. J'ai remarqué qu'ils aiment bien le cacher au milieu des livres. Bâtard! Oh, c'est un haut gradé, lui. Prends votre chapeau, monsieur, parce que je l'ai jamais vu. Olay. Prenez les grenades thermiques à proximité. Oh, je vois le livre de code, putain, il est là. Oh, magnifique planque. Oh, il était de toute beauté, celui-là. Fier de moi. Ouh. Et vous êtes en train de me dire que je peux faire une escalade comme ça? Ouais, mais c'est pour faire quoi, ça? Ça aurait été marrant, du coup, qu'il soit là. Ouais, mais là je vais juste réussir à me péter la gueule en fait, donc on va éviter. Ah bah voilà, on a ce qu'il nous fallait les gens, je suis content. Donc il y a 5 thermites à trouver. J'ai plus beaucoup de balles par contre. Peut-être que vous en avez un peu plus, tout petit peu. Ah d'accord, en fait, c'est les mecs qui étaient ici qui sont venus à ma rencontre. Alors, 5 trucs de termites un peu partout cachés. Oh, des mini V2. M'en fous. Ok, ça c'est des trucs, c'est ça les termites. Ok. Ah ok, là il y en a plein d'autres. 2, 3, 4 et... Ben voilà, 5, tout simplement. Ok, j'arrive, Grenek. C'est vous, docteur? Ah, merci. J'attendais le signe. Oula, d'accord, magie. Coucou. Oui, t'inquiète, moi aussi, je voulais vérifier que c'était bien toi. Y'a rien là? Quoi de neuf? Apply the thermite liberally, Lieutenant. You are melting its brain, as it were. Par contre, son cerveau à qui? Pour l'ordinateur. Les ordinateurs de l'époque, c'était pas pareil qu'aujourd'hui. Et pourquoi on doit faire ça, en fait?
Bah, je suppose pour saboter, oui. Je suppose qu'avant de fuir avec lui, on en profite de saboter. Il sait mieux que nous ce qui est important à saboter, je crois. Alors, et c'est où qu'on met ça? Ah d'accord, ici. Hop. Hop. In preparation for moving to the United States, I've been practicing my American profanity. Would you like to hear some? Pff, vas-y, si t'as fait plaisir. Donovan Brown is a son of a bitch. Herman Goering is a giant prick. Good, yes? Le truc, c'est que tu parles déjà en anglais, de base, donc... Son of a bitch. Voilà. Tirer sur le levier. Ce levier? Non. Ah là, ok. Alors ça, du coup, ça va activer... Ouais, en fait, j'ai vu que c'était relié à des câbles. Donc ça va faire passer le courant dedans la thermite et ça va genre faire des courts-circuits et tout vous faire fondre. Oh, I have to gather my research. Meet me at the gantry. Don't be late, lieutenant. Oui, mais t'es pas obligé de courir comme un mongol, tu peux courir normalement. Hop là. Voilà. A plus d'ordinateur. Déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup à cette époque. Oh. J'espère que c'est pas un traître. Mais je ne pense pas. Ah, maintenant je reconnais cette salle. Voilà, c'est ici qu'on avait fait la mission meurtrière, les gens. Oui, c'est là qu'on devait faire péter le truc. Et là, je reconnais bien. C'est trop calme. Beaucoup trop calme. Pourquoi il y a des feuilles qui sont tombées là-bas? Oh, je le sens mal, les gens. Je sens qu'il y a un piège. Je sens qu'on est en train de me tendre un piège. En fait, la façon dont le docteur Groneg vient de faire « Oh, j'ai oublié, il fallait que j'aille chercher. » Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il prépare un mauvais coup. Mais pourtant, normalement, il est censé être avec nous. Non, j'espère. Je pense que oui. Non. Ça m'étonnerait beaucoup que ce soit un traître. Mais là, je crois que j'ai un mauvais pressentiment. Mais je vais enlever cette merde de ma tête. Oh, putain, j'ai jamais fait un aussi beau lancer de ma vie. Bon. On se prépare, là, j'ai peur. Pourquoi il y a des feuilles qui sont tombées là-dedans qui... Pas normal, là. Vous avez entendu? Vous avez entendu? J'ai entendu un bruit d'arme qui se recharge. Oh merde. Oh non, c'est Muller. Avec le docteur Groneg, donc c'est pas un traître. Reach for the sky. Please put your hands up. Oh non. Putain de merde. Now stay where you are. You know, lieutenant, you are a very smart person. I respect that. So you know that I have in my hands the most valuable prize of this war. You make one wrong move and this prize is lost. Okay, je garde bien les mains en l'air, les gens, je ne bouge pas. So I will be taking my leave of you now. Herr Müller, I have a PhD in ballistics. Do you know what that is? It's the science of projectiles. Lieutenant, from that distance, to take into consideration the bullet drop-off, you'd aim about 4 centimeters high. Shoot! Oh putain. Oh! Oh, j'ai réussi! Oh, j'ai tué le boss final! Oh. Motherfucker. Oh, je l'ai bien. Good shot. Oh, one shot. Oh, je suis fier de moi. Oh, incroyable! Et par contre, il a peur de rien, le gars. Oh, monsieur, vous savez que si vous tirez, vous pouvez le tuer, allez-y. Il a peur de rien. Putain, j'ai bien visé. Après, je sais que pour vous, c'était pas aligné avec mon viseur.
Sur la du viser avec l'œil gauche, si vous voulez vraiment que ce soit dans le bon viseur, moi j'ai visé avec mon œil droit, c'est mon bon œil. Du coup, c'était pas parfaitement aligné avec ma vision, mais ça devait être quand même stylé, je pense. Ah, oh, je suis fier de moi! En fait, je pensais, ouais, je sentais qu'il y avait un truc bizarre qui allait se passer. Adieu, bon von Braun. J'ai les V2 contre les nazis. Oh, je vais me faire plaisir. Et finalement, là, je me rends compte. Et je disais donc, je me rends compte, on est bien parti pour faire toute la mission d'une traite, c'est bien. Il doit rester à peine que 3 niveaux, je crois. Alors, dans ce niveau, livre de code encore, ok. Incroyable, j'aime beaucoup cette mission, j'aime beaucoup ce jeu. Je passe de très bons moments. Après, je vais être honnête avec vous, c'est vrai que la VR me... Alors, ça me plaît, c'est intéressant, mais ça me... Ça m'oppresse un peu, genre les douleurs dans le corps, les... ça me donne un peu mal la tête aussi sur le long terme, ça c'est un peu dommage. Donc la VR, c'est quelque chose quand même qu'il faut utiliser avec modération, je m'en rends compte. Hein. Malheureusement. Du moins dans mon cas. J'ai ce qu'il faut, mais est-ce qu'il n'y a pas plus de balles là-dedans? Si. Ok, donc là on doit retrouver le docteur Gronek à la tour d'assemblage, d'accord. Pourquoi faire ça? Bon, écoutez, je l'écoute, hein. Finalement c'est que c'est pas un... En fait, je pensais pas que c'était un traître, mais là, je sentais qu'il se passait un truc bizarre. Et genre, j'ai vu les papiers tomber, je fais ok, il se passe un truc. Et en fait, ouais, c'est parce qu'il l'a pris en otage, ok. Je le sentais qu'il allait se passer quelque chose. Oh. Ah là, ah ok, oui, là je vois les V2. Là, on est en plein dans la zone de lancement des V2. Et on va devoir utiliser les V2 contre les Allemands, enfin contre les nazis du moins. J'aime bien le fait que dans ce jeu, j'ai remarqué, ils font bien la distinction entre les Allemands et les nazis. Et je trouve que c'est important. Parce que moi, c'est un réflexe que j'ai souvent de dire les Allemands. Mais en réalité, les Allemands, c'est pas des méchants. En fait, les méchants, c'est les nazis. Et en fait, on dit les Allemands par réflexe parce que c'est l'armée allemande, quoi. Alors pourquoi je dois arrêter ça, moi? Je dois passer par là? C'est pas sérieux. C'est quoi ce délire encore? Le mieux, c'est peut-être de l'arrêter, quoique. En vrai, j'ai presque envie de l'activer et de descendre en toboggan. Allez, j'ai envie de le tenter, les gens. Attendez, avant, je vais fouiller la pièce pour être sûr qu'il n'y a pas le livre de code. Ah, une lampe de poche, je ne peux pas la prendre. Je mets ça. Et j'enlève direct. Ouais, je vais mettre tous les chapeaux que je vois dans le doute pour essayer d'avoir mon achievement, là. Qui est, au passage, l'achievement le plus dur à avoir de tout le jeu. Putain, mais enlève-le! C'est un enfer enlevé à chaque fois. Hein. J'arrive jamais à trouver le bon angle pour l'enlever. Là, voilà. Je disais quoi juste avant? Oui, j'ai vu l'achievement qui demande de mettre tous les chapeaux du jeu sur notre tête. C'est l'achievement le plus dur à avoir de tous, car c'est l'achievement qui a été le moins obtenu au monde par les joueurs. Allez, j'ai envie de faire ça, moi. Toboggan! Ouais, j'ai même pas avancé, c'est trop bien. Je savais que c'était un bon plan. Oh, il y a un frac, ça. Il y a des Allemands là-bas. Oh putain, il y a des troupes allemandes qui se baladent un peu partout. Je suis pas là. Faites comme si j'étais pas là. Il va falloir sauter, là. Bonjour! Wouah! Non! J'ai pas sauté, attends. Bon, seconde prise. Oui! Toboggan! Saute! Non, saute! Bon. Oh, adieu. Bon, écoutez, finalement, c'est mal fichu. La physique est un peu mal fichue quand je descends, donc on va juste le stopper. Désolé, c'est moins fun, mais bon. Ta-da-da-da. Est-ce que si je tire, vous pensez qu'ils vont être alertés? J'ai envie de faire une expérience vu que le checkpoint est juste avant. Ah non, ils s'en battent les couilles, dommage. Enfin, dommage, tant mieux pour moi, mais c'est pas très réaliste, quoi. Pas oublié de fouiller. Où est-ce qu'il peut bien être ce livre de code cette fois-ci? Oh,
En même temps, si ça se passe dans toute la base qui est là, ça fait une zone de recherche qui est très grande. Ça me fait un peu peur. Tiens donc. Oh. Allez, dégage! Voilà! Yes! Un plus! C'est pas grand! Merde, il a réussi à sauter à temps, l'enculé! Bah écoutez, vous savez quoi? Vous allez remonter simplement. Plus personne ne redescend. Marrant, c'est bien marrant. Attendez, tant que je suis là. Merde! C'est quoi sa vitre blindée là? Bonjour monsieur, désolé, on va pas tirer dessus, les vitres sont blindées. Je vais faire le tour par. Merde! Je vais faire le tour par en haut. Et de là-haut on pourra se battre, ok? J'arrive. Ça, ça a un peu mal fait par contre, c'est dommage. Bon. Genre, ça les tue pas. Merde. Ah, j'ai plus de grenade. Ah, voilà comment j'aurais dû faire. Oups. Voilà. Magnifique. Merde, il n'a qu'à survécu. Mon plan était parfait. J'ai encore entendu un mec parler, il y a un survivant. Oh non, pas encore. Arriver d'en face là. Merde, pourquoi j'ai plus de balles? Oh merde. Ah. Non, c'est pour le fusil ça. Oh, c'est pas mal aussi, allez. Personne en face? Je suis surpris. Là. Bah, j'aime beaucoup cette mission, franchement, à tel point que là, je suis en train de vous la dévorer d'une traite en kiffant bien. Cornec ? C'est lui, ouais, c'est lui. Je suis là. Ah. Lieutenant. Tu viens seulement de me voir. Out of the frying pan into the fire, yes. Surrender now! The building is surrounded! There is no escape! What you said is true. Science is the prize. Let's just hope these fanatical creatures know it too. Ah, du coup, ils vont pas te buter. The American has taken me hostage! We're coming out! Keep your gun pointed at me and stay close. Ready to run the fascist gauntlet. Je vais le prendre en otage. Everyone hold their fire! Protect Dr. Kronek and... Ah, quoi? Il continue d'avancer. Ah, je suis pas resté assez proche, ok. Oh non, je vais tout me retaper. Out of the frying pan into the fire, yes. Surrender now! Quoi, c'est la cinématique? The building is surrounded!
Bon. J'ai peur d'avoir loupé le livre de code. Par là. Non. The American has taken me hostage. We're coming out. Keep your gun pointed at me and stay close. Je suis prêt. Ready to run the fascism gauntlet. Non, je reste tout prêt. Vas-y. Everyone hold their fire. Protect Dr. Kronik at all costs. Oh, ça a marché. I have an idea for a diversion, but I need time to prepare in the control room. I doubt our hostage Gambit would survive the trip. Okay. Meet me upstairs, Lieutenant. Reload your weapon. Help! Help! Don't shoot! I just escaped from the American. Don't shoot! Quel acteur. Plus de balles. Comme un MP40, je veux dire. Ok. Oula, on est où là? Pourquoi on est dans... Pourquoi on est dans un palace d'un coup? Ah, ça doit être les hommes de Müller, peut-être. Je l'ai dit que Müller, on le reverrait, que ce serait le boss final. Bon, il était facile à battre, le boss final, mais bon. Ça, je prends. Je prends ça. Il faut que je me resynchronise un peu, voilà. Pas de livre de code ici. Je t'ai vu. Bâtard. Putain, ils sont précis ces enfoirés. Donc là on doit aller jusqu'à l'étage, retrouver le docteur Gronek pour la suite de son plan. J'ai pas trop compris pour l'instant, je vous avoue. Parce que le but c'est quand même qu'on s'enfuit tous d'ici en avion, mais bon. J'avoue que là, ça va être compliqué vu qu'il y a plein d'Allemands dans tous les sens. Oh oui, si c'est vrai, son plan, oui, c'est... utiliser les V2 contre les nazis. Donc là, on va trouver un moyen de les déployer, je pense. Et je pense que c'est là-bas à l'étage qu'on pourra larguer tout ça. Livre de code. Je regarde vite fait s'ils sont pas ici. Enfin, s'il n'est pas ici, non. Ça s'ouvre pas tout ça, non, d'accord. Oups.
Docteur Grenek, ah. Permettez que je jette un œil deux secondes. Merci. Oh putain, il y a du monde là-bas. Docteur Grenek, on fait quoi? Il y a des Allemands qui nous visent là-bas. On lance les V2. The rocket on the pad is fueled, but there's no warhead on it. If I ignite the engine and activate the kill switch at the same time, we should be able to cause a rather loud diversion. Ok. Vas-y. Celle-là là-bas? Watch this, Werner. Oula. Et les Allemands, ils restent de marbre, hein. Ils sont là en mode oh magnifique. Ah non, ok, parce qu'ils pensent que c'est normal. Ah voilà, ça y est. Là, c'est la panique. Boum. Oui, sûrement. Il y en a plein d'autres là-bas. Tu peux pas faire demain? Attention. Dr. Gronek is a traitor and an enemy of the Reich. Ah. I am announcing an official change in policy. Ah merde. Shoot Dr. Gronek on sight. C'est bon, ils font rien là-bas. Ok. Bon, maintenant que Dr. Gronek est démasqué, en même temps, pas étonnant vu ce qu'il vient de faire. Ben on arrive à la fin de la mission, là je pense qu'il reste plus que deux niveaux les gens. On va le faire d'une traite finalement. Première fois qu'on fera toute une mission d'une traite en un seul épisode. Écoutez, tant mieux, ça on avance bien. Bon après vous voulez dire, ben après il n'y a plus rien à avancer, mais il y a encore des vidéos sur le jeu normalement, il y a encore des trucs qu'on devrait y faire. Quel épisode. Il doit être long à mon avis. Et en vrai, c'est vrai que je commence à fatiguer un peu, mais en vrai je tiens bien. Allez. Encore plus, on va faire encore plus de dégâts. Faites face à votre destin. Dans ce niveau, il n'y a rien à récolter. Ok. Que faisons-nous? Now it looks like hunting season is now open on you, Doctor. I don't mind. Our men will be here soon. Pas fumer. Nazis pouring in from all sides. We're going to need an even bigger boom to cover our escape. Ouais. There's a V2 on the test pad with a high yield warhead. It will definitely give us a bigger boom. Ok. Well, how much bigger? Enough to destroy half the facility. Ouais, donc là, il faudra bien se tenir à distance. Le truc, c'est qu'on peut faire une réaction en chaîne avec une V2, on peut faire péter d'autres V2 qui explosent à la chaîne, voyez-vous. Bon. Oula, par contre, ça va barder là. Genre, ils ne voient pas eux là-bas, c'est les pires gardes au monde. Alors, bah, je tire en premier alors. Bien joué. Putain. Allez, vise mieux. Donc là, on doit atteindre la plateforme de lancement du V2, ok, simplement. Le V2 qui est là. Ok, c'est lui qu'on va tout faire péter. Et grâce à cette méga explosion, on aura une assez bonne diversion pour vite se barrer avec un avion loin d'ici. Ce sera mission accomplie. Ça, c'est un truc sur chenille quoi, ils peuvent le déplacer le truc. Pas mort. Ok. Parfait, ça se passe super bien.
Allez, go. Oh putain, vous courez plus vite que moi. Allez, rentrez dans le sol. Bah génial, elle a pas fait de dégâts du coup. Tirer sur des grenades en l'air, c'est pas facile. Parfait. All we need to do is follow the number one rule in ballistics. What's that? What goes up must come down. Lieutenant, please sabotage the gyroscope while the sergeant and I fuel the rockets. Ah, c'est celle-là qu'on fait péter finalement, pas celle qui est là-bas. Ok. Saboter le système de guidage UV2. Je m'en occupe. Fallait s'y attendre. Merde, il y a une fenêtre, bah oui. Pas grave, elle tombe, c'est bon. Merde. Il passe à travers le grillage, tout va bien. Magnifique. Oh, le gros bouton rouge. Ah, il faudra venir ici après. C'est avec ça qu'on va le lancer, les gens. Ouais, mais c'est que je serai juste à côté. Faudra que je me barre rapidement. Et il y a quoi là-haut? Moi, je vais aller voir. Peut-être d'autres mecs à buter. Non. Il n'y a aucun collectible. Ouais, non, il n'y a aucun collectible dans ce niveau, donc... Ouais, juste pour une trousse, quoi. Ok. Ok, c'est parti. Sabotage. Oula, j'ai vu quelqu'un là-bas. Ok. Ah, je peux le retirer ou le détruire. Je préfère le détruire. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ah, c'est bien ça, on avait le choix de le retirer ou de le détruire. Donc, je préfère le détruire. C'est bien, les Allemands ils nous laissent tranquilles. Ils sont gentils. Ouais, je vais vous aider, moi j'ai des muscles, bien sûr. Pas du tout. Ok. Allez, on y va. Bon, je vais faire moi tout seul, mais moi j'ai de la force. Bah voilà. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça, vous avez fait tout le travail. How we looking, Big Red? You find us a ride yet? Ouais, faut qu'on se voit. You guys are in for a big surprise. Copy that. Be there in a minute. Chatsworth's finest, you almost here? We're about to blow this place to kingdom come. Wait here. And we go company. Whoa. C'est eux, c'est Oli. Oh shit. Il y a plein d'Allemands derrière. Looks bad. Worse than you think. Oh. That's a Tiger tank. Oh non. Vite. Sauter à l'intérieur. Dans quoi? Ah, là-dedans. Ok. Oh merde, qu'est-ce qu'on fait? Not sure how we get out of this one. This tiger has a thick hide, but perhaps a soft underbelly. Go on, doctor. Let's use elegant science to defeat brute force. Ok. Everything we need to build an electromagnetic explosive is in this facility. A sticky bomb without the axle grease. Ollie, tell Captain Riley to keep up the evasive maneuvers. We've got a plan. Copy that. We'll find a safe place to hide. All right, Doctor, what do we need? Lieutenant, I'll walk you through it. Okay. Arrêtez de faire des sourires flippants comme ça tout le temps. Lieutenant, we need three components. Okay. First, be on the lookout for copper wire. D'accord. Tu me parles de là, ok.
Attends, moi je veux bien ce qu'il y a là par contre. Ah bah j'ai déjà tout max. Let's go. Il y a sûrement des Allemands ici, non? Ah, je suis étonné. Oh my god. Oh, il faut que j'aille aux trois. Ah oh, putain, il faut que j'aille aux trois endroits, ça va être chaud. Un là-bas et un là-bas. Putain, il faut que j'aille aux trois spots. Faut que je calcule par rapport au char tigre comment me déplacer. Il est juste là-bas. Ok, là je suis à l'abri. Propre ça. Oh wow, what the fuck. Ok. Explosif. Merde. Il est juste là, il est juste là, il est juste là. Il me traque, il me traque. Merde. Je suis bloqué. Demi-tour. Faut pas que je reste là. La terre. Il est juste là, bordel. Réfléchis, Benoît, réfléchis. Ah. Merde. Ça j'ai. Fier de moi, là, je joue bien. Merde, je vais pas me soigner. Merde, aucune balle. Aucune... Merde, j'ai aucune balle dans aucune de mes armes. Ça, c'est mauvais. À moi. Oula. Ah! Wow! J'ai tout ce qu'il faut. Il va vite s'enfoirer. C'est bon, j'ai ce qu'il faut. Oh, allez, j'ai géré, je suis fier de moi, là, les gens. J'ai super bien joué. Ça, c'est ce qu'on veut. Ça, c'est ce qu'on aime.
Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vais fabriquer ça. Mais arrête de me sourire comme ça! Tu fais peur! Alors, tiens. Copper wire. Excellent. Ça. Power source. Wonderful. Et la pièce de résistance. Explosives. Magnificent. Stand by, Ollie. Yes, sir. Handle with care, Lieutenant. Ok. And don't light the fuse until we are ready. Ça marche. Putain, la pression sur mes épaules. Oh, des barils qui volent. We're gonna need you guys to play the role of mouse to this cat. Captain, we need a tiger to chase us. Ok, retourne là. Everyone stand by for some air combat maneuvers. We're only gonna get one shot at this. Ça c'est Oli. Dès qu'il passe au-dessus de nous, je mets ça. Ok, je suis prêt. Ok, maintenant. Mais putain, mais quoi, j'ai pas réussi? Mais quoi? Oh non, nul, nul, nul. J'ai pas compris comment il fallait faire. En fait, je dois prendre les deux en fait, je dois faire un truc. Bon. En fait, faut que j'allume la mèche et puis seulement que je le colle, ok. Je peux pas... En fait, je pensais qu'il fallait que je le colle puis que j'allume la mèche, mais non, c'est pas dans cet endroit-là, ok, je viens de comprendre. Je viens de comprendre mon erreur, ok. Dommage. Oh, dommage, c'était propre ce que je faisais juste là. Allez, on attend le bon moment maintenant. Maintenant. Là! Adios. Et voilà le travail. Magnifique. Ok, on est à HS, mais c'est pas grave. Nice job, Science Arms. Good job, Lieutenant. Merci. Ouais, mais il fonctionne toujours. Get out of there! Merde, sortez vite, les gars. Get out of there! No, Ollie! No! Oh oh. Oh non. Il vient de se sacrifier pour sauver les gars qui les blessés qu'il y avait dans le camion. God damn it, Ollie, what did you do? Medic! Medic! Sir, I'm the medic. Oh, Ollie. What did you do? At least I kept my head down. Oh, Ollie. Not you. Not you. Oh, c'est okay. Pensez qu'il va vraiment mourir? Ollie. I love you. Never ever doubt it, sir. Never for a second.
Ah ouais. Oh oui, d'accord, je suis TP ici. Oula, j'ai vu des Allemands là-bas. Bon, je dois admettre que je ne m'attendais pas à ça. Oli s'est sacrifié pour sauver le camion avec les blessés. Et il en est mort. Puis je me rappelle, putain, je sais pas si vous vous rappelez, je pense, premier épisode. Je crois, premier ou le deuxième, je sais plus. J'avais dit... Ouais, Oli, il est très jeune. Ah, putain, je sais pas pourquoi. J'avais un truc ici, je sais pas pourquoi, je sens qu'il va se faire tuer. Un truc, je sais pas pourquoi, je pense que j'ai fait une référence à ça à un moment donné. J'ai dit, ah, oh, j'espère pour lui qu'il va s'en tirer alors. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai le sentiment qu'il va se faire tuer à un moment donné. Je pense que j'avais dit un truc comme ça lors de l'épisode 1 ou 2, et en effet. Bon, moi, il est mort en héros. Ça me rappelle un peu Tanaka dans Medal of North Soleil Levant, qui est également mort en héros. Ah, bah putain. Je ne m'attendais pas à ça. Et le sergent lui a carrément dit je t'aime. Mais en fait, pour lui, ouais, c'était presque comme son fils. Hein, vu que le sergent, il avait perdu son fils à la guerre, bah, Oli était un peu un nouveau fils en fait pour lui. En fait, c'était presque ça. Donc il s'en était beaucoup attaché. Et malheureusement, bah, il en est mort. Mais il est mort en héros, j'ai envie de dire. Il a sauvé plusieurs vies pour la sienne. Ouais, en fait, les blessés étaient dans le camion, ils pouvaient pas sortir. En étant blessés, ils n'avaient pas su sortir de là. Et Oli, il a dit, bah écoute, perdu pour perdu, plutôt que de sauver ma vie. En fait, Oli avait deux choix. Soit il sortait de là et il se planquait avec nous, et tous les blessés qui étaient dans le camion, ils y passaient. Soit il faisait ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait. Bon. Après, bon, il aurait peut-être pu ne pas se faire tirer dessus. Peut-être qu'il aurait pu atteindre le char et ne pas se faire tirer dessus. Bon. Bon. Mettons fin à cet endroit une bonne fois pour toutes. On arrive au dernier niveau du jeu. Ah bah putain! Une fin bien mouvementée. Dernier niveau du jeu, les amis, on est parti. Ah ouais, c'est un gros épisode, là. La vache. Ah, je m'attendais pas à ça, je dois admettre. Je pensais que là, le char, il était détruit, qu'il causerait plus de problèmes. Mais en fait, si. La dernière évasion, eh bien, c'est parti. Grand final, il est temps de rentrer. Allez, go! Frayez-vous un chemin dans les hangars. Dernier niveau du jeu, les amis, j'ai un petit peu peur, là. Alors, il y a des photos de reconnaissance à trouver. Ok. On va venger Oli. Ça, c'est pour Oli. La violence. Moi je suis discret. Bonjour. Ah. Bonjour monsieur. Auriez-vous vu des photos de reconnaissance quelque part? Ah ben, vous fatiguez pas, je les vois. C'est bon. Rien d'autre ici. C'est quoi par là? Ça s'ouvre pas ça? Non. Bon bah c'était facile à trouver, tant mieux. Let's go. Voilà, crève! Eh, mais c'est notre avion! Qu'est-ce qu'il fout là? Ils ont repris les pièces, ils ont remonté notre avion, ils ont mis une croix gammée dessus, regardez derrière! Il y a le symbole allié et le symbole nazi dessus!
Ils sont appropriés à notre avion ? Pas de livre de code ici de toute façon. Ok. Ah, je suis bien décidé de finir en beauté là. Il y a pas de trousse ici. Pas grave. Ah bah il y en avait une juste là, je suis con. Wow! Oui, dans des chapeaux. Ah, oh, j'ai même mis ces chapeaux-là, faut que j'en mette un. Alors, je sais qu'il y a une mitrailleuse fixe juste là, mais ça m'expose plus qu'autre chose. Là, je vais mettre le chapeau là. Ça, c'est, je suis sûr que je l'ai jamais mis celui-là. Oh merde, il a lance-roquette. On dirait un chapeau de Jap. Non, je veux finir en beauté, j'ai dit. La batterie de votre manette gauche est faible, merde. Bon bah ouais, essayez au moins de finir la vidéo, petite manette, s'il te plaît. Je viens de voir un message, enfin vous l'avez pas vu, mais... Enfin, je ne pense pas que vous l'avez vu. Mais je viens de voir un message sur mon écran qui me dit, enfin, dans mon casque, qui me dit... Oh, aucune de mes manettes a une batterie faible. Oh merde. Ouh, ouh. Merde, c'est vrai qu'il y a plus de balles là-dedans. Non, faut se débarrasser du mec qui a un Panzer Shrek là. Il est là-bas. Non, c'est pas lui. Il est là-bas. Il me vise. Oh my god. Putain, il me fait des messages pour ma batterie. J'espère qu'elle va être quand même être au moins être capable de finir. L'épisode, la batterie de ma manette, mais je changerai les piles après la vidéo. J'espère qu'elle va tenir. Ils m'ont demandé de changer la batterie sous peu, ouais, j'aimerais bien, mais... Je suis en plein tournage, donc ça va pas le faire. On attend la fin de la vidéo. Ouais, l'autonomie d'une manette de VR, c'est moyen, on va dire. Ça tient bien, mais pas non plus de ouf. Y a rien ici, non. Une seringue. Regardez, c'est plein d'avions alliés sur lesquels ils ont mis une croix gammée. Ça, c'est notre Chatsworth Girl, je crois. Enfin, c'est pas exactement lui. Enfin, c'est lui, mais qu'ils ont... Enfin, en fait, ils l'ont pris en pièces décomposées, je pense, et ils l'ont remis à refaire leur sauce. C'est ce qu'ils avaient dit, je crois. On a tous les collectifs, donc plus de prise de tête. Le Panzer Shrek, il est là. Il est bien mort. Bon, ça va être quoi le grand final du jeu, là? Oula. Ah, ça fait du people, tout ça. Le grand final est derrière cette porte? Putain, qu'est-ce qui va se passer? Ok, c'est mes alliés. Ah, le vrai, le Chatsworth Girl, il est là. Ok, c'était pas lui qui était là-bas. Là, c'est le vrai. Il a quand même mis une croix gammée dessus aussi. Donc, qu'est-ce qu'il fait lui? Ouh là là. Et... Je crois que c'est ce qu'ils sont... Ouais, si, ils ont mis une croix gammée dessus. Ah merde, c'est ce qu'ils vont sûrement dire. Ah, désolé, capitaine, pour votre avion.
Oui. J'ai un truc sur le visage. Ah. Rebuilt her, so we are gonna steal her back. Putain, t'as de la chance qu'ils l'ont reconstruit. But he's already on board, including Sergeant Ollie. Ah. I'm so sorry about what happened. He was a great kid. Captain Holloway, we are gonna need an escort out of here. Do you think you could liberate a 109 to help us out? With pleasure. Ah oui, bah il y en avait un à côté en plus, je l'ai vu. Parfait. Lieutenant, please get that off my body. Ouais, bah ouais, on va nettoyer ça. Comment je monte là-haut? Avec le nettoyeur à haute pression. Ah, d'accord. Ouais, j'ai une nouvelle arme. Et voilà le travail. Beau joujou. Oh merde! Merde! Je vais mourir. Non! Je voulais finir en beauté! Ah! Enculé, c'était peut-être le dernier mec! Non, j'avais réussi! Oh, je suis deg. Même pas besoin de ça en fait. Parce que j'étais blessé, mais non, même pas. Désolé les amis, j'aurais pas réussi à finir le dernier niveau sans mourir. Il rush sur ma gueule là. Pas de soucis. Merde, mais si j'avais su, je serais venu ici directement. Ici, il y a plein de trucs. Bah pas tant que ça, juste une trousse en fait. Ça va prendre Zorfos mais qui est même pas monté. Ouais, ça fait juste une trousse en plus quoi. Merde, j'ai plus de balles par contre. Là-dedans aussi, ok. Ok, j'ai bien vu qu'il fallait que j'aille là par contre. Attendez, il y a un truc qui m'intéresse. Hein. Oh, les petits avions tout mignons. Ces chapeaux là, est-ce que je les ai déjà mis? Ah oui, oui, si, je les avais déjà mis. Ouais, pas grave, on va faire de l'avion, donc il me faut bien un casque d'aviation. Par contre, ouais, j'ai tout ce qu'il me fallait. Et là-haut, il n'y a rien. Je vais aller checker. S'assurer qu'il n'y a plus personne. Plein de casques, mais ça, je les ai déjà mis, je pense. Ah, par contre. Ah, je pensais que c'était une trousse. Bah, y a rien à y faire ici, je pense. Hein. Quoi là-bas derrière? Que dalle. Ok. On va dégager d'ici. Mais sans Oli. Enfin, si. Avec Oli, mais bon. Pas en un seul morceau, on va dire. Et là-dedans, à part ce petit avion, y a rien. C'est vrai, cette mission accomplie, là, j'ai fini tous les combats du jeu, vous croyez? Ce sera incroyable. Bon. Ah bah écoutez, on va ouvrir la porte du hangar et dégager d'ici à jamais. Oh ouais! Mais j'ai plus d'alle. Enlever ces cales rooms, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a l'avion qui peut décoller avec ça. Et j'enlève ça avec quoi? Ah, avec mes deux mains. Ok. Oh, attention à l'hélice de pas se faire trancher la tête, ça serait bien. Et de 1. You better get on board. Lieutenant,
Ok, mitrailleur de queue. Putain, mais pourquoi il y a tous les Allemands, ils tournent à gauche à droite et ils font rien là, c'est bizarre ça. Je rentre par où? De l'autre côté? Ah, j'aurais pu utiliser ça peut-être. Oui, est-ce que vous... Oh, je sais, j'ai pas essayé, mais est-ce que vous pensez qu'avec ça, il y avait moyen que je me débarrasse des Allemands? Oh, j'ai pas essayé, mais j'aurais dû essayer. Oh, le câble, il... Oh, stylé. Là, je suis vraiment... Ah, là, je peux vraiment pas m'éloigner, là. Le câble, il m'empêche, car il faut que je tire de plus en plus fort. Oh, j'ai pas essayé, mais il y avait peut-être moyen de faire des kills avec ça. Ça aurait pu être très drôle. Mais j'aimerais bien monter, mais je monte par où? Mais je veux... Ah, ok, d'accord. Faut juste que j'aille à côté, quoi. Toc, toc, toc. Ok. Slight problem. All the 109th are shot up. They aren't flying anytime soon. Oh merde! Mais j'ai été voir, c'est pas du monde! Merde, il monte dans l'avion, il là-bas. Et il est invincible, fais chier. Je vais lui tirer dessus pourtant. Oh oui. Il détruit une grenade en l'air. Ah. Dégagez. Voilà. Dégagez, j'ai dit. Merde, lui, il va se ramener. Ta gueule, toi. 3, 2, 1. Wow. Ah, mais c'est ça l'avion qu'il a dit merde, mais en fait j'ai tiré sur un allié. Oh, je suis sur les grenades en l'air. Wouh. Ah, mais c'est un avion allié, j'avais pas compris. Enfin, non, c'est un avion ennemi, mais c'est un allié qui allait dedans. Ben, je crois. Je suis même pas sûr. J'ai pas su suivre les textes en même temps. Si, si, c'est un allié, enfin je crois. Enfin, pas ça. Ah, bah oui, voilà, c'est ça l'avion de chasse. C'est le capitaine qui avait dit il y avait un petit avion de chasse, mais voilà, c'est celui-là qui l'a décidé de prendre. Oh, pff, d'accord. Oh, oui, en école, c'est stylé ça. Waouh, c'est très stylé. Eh oui. Et voilà. Ah, le petit frisson. Ah, le petit frisson de fin qui fait plaisir. Ah, je vous jure, j'ai eu un petit frisson. Ah voilà, on a fini le jeu. Putain, on l'a fait en un seul épisode. Par contre, qu'est-ce qui se passe si je fais continuer alors qu'on a fini le jeu? Peut-être un générique de fin? Je sais pas, on va voir. Par contre, si ça me lance dans autre chose, j'arrête direct. Là, je suis mort maintenant, les gens. En vrai, j'ai bien tenu. Ah bah écoutez, c'était un beau jeu. Franchement. Très belle mission, très belle mise en scène. Bon, des fois, j'avais un petit peu du mal à suivre, mais... C'est à cause du fait que je jouais en anglais, en fait. J'ai du mal à me concentrer sur le gameplay et les sous-titres en même temps, vous comprenez? Vous, c'est plus facile vu que vous regardez la vidéo. Oh! Change our name from the OSS to something called the CIA. Should be interesting. Oh, il y a tout le monde. But no. What's next for all of you? It's time to rebuild our country. Liberation was only the first step. What about you, Sergeant? Heading home? I think I'm going to stay and help with the occupation and the rebuilding. I've seen enough wars in Europe. I want to make sure there isn't ever another one. That, Sergeant, is something we all can believe in. Ah, y a tout le monde, hein. Juliette, Marcel, Louis. Godspeed to you, Edgar. Huxley. Les frères, je sais plus comment, là.
Et voilà, ce coup-ci c'est vraiment fini. Générique de fin. Bon, faisons un petit peu le débrief de ce jeu. Bon, techniquement c'est pas le dernier épisode, mais c'est la fin de la découverte de la campagne en tout cas. Donc c'est déjà une grosse page qui se tourne. Je pensais pas tout faire aujourd'hui par contre. Je me suis surpris d'avoir tout fait aujourd'hui. Je sais pas combien de temps dure l'épisode, j'en ai aucune idée. Je me suis plongé dedans. Oh, dans une petite salle. Attendez, ne me dites pas que... Ah non, je vais pas me déplacer. Parce que je vois la porte qui est ouverte là-bas, je me suis dit pendant un instant. Je vais peut-être aller dans le menu principal maintenant. Mais écoutez, c'était vraiment bien. Franchement, un très bon jeu. Pour moi, le point fort de ce jeu, les points forts de ce jeu, j'essaie d'adivinir un peu, c'est, comment dire, sa mise en scène et son exploitation de la VR, qui sont très bons. On a eu des phases de jeu vraiment moi qui m'ont coupé le souffle, tout simplement des scènes à couper le souffle parce que moi je vous rappelle que je suis encore nouveau dans la VR. Donc moi j'ai découvert des trucs de malade là. Et je sais bien que pour un jeu en VR, c'est quand même un gros jeu en VR, faut pas se le cacher ça. Il y a eu des phases de jeu géniales, hein, les phases que ce soit... Oula, ça bug. Que ce soit les phases en avion, que ce soit les phases sous l'eau, que ce soit les phases dans des environnements magnifiques, que ce soit les utilisations de certains trucs en VR assez stylés. Il y avait plein de trucs qui étaient vraiment géniaux. À ce niveau-là, j'ai rien à dire. C'était très kiffant, à chaque fois. Maintenant, les points faibles. Bah, évidemment, une mauvaise optimisation, même si depuis l'épisode environ 6 ou 7, j'avais réglé ces problèmes-là quand même dans mon cas. Mais j'avais dû baisser légèrement les performances graphiques du jeu pour pouvoir arriver à ce résultat, même si on ne voyait pas trop la différence, donc ça va. Et un scénario, bon... Un scénario qui n'est pas non plus hyper développé, mais qui est quand même présent, plus que dans la majorité des Medal of Honor, hein, j'ai envie de dire. Dans la plupart des Medal of Honor, il n'y a aucun véritable personnage avec une identité et une personnalité. Ici, c'était quand même plutôt bien fait. C'était pas un scénario exceptionnel, c'était un scénario même très classique, on va dire. Mais avec des bons personnages. Et ça, c'est bien. Mais voilà, moi, pour moi, un petit point faible du jeu aussi, c'est... le fait qu'il soit pas doublé en français, mais oui. Alors c'est à moitié assumé, je dis à moitié parce que, voilà, quand il y a des personnages français comme Manon ou Juliette, bah des fois, ils sortent une petite réplique en français. Voilà. Mais là où je dis que c'est pas trop assumé à 100%, c'est que même les Allemands, ils parlent anglais. Entre eux. Ils sont censés parler allemand. Voilà, ça pour moi, c'est un petit détail qui était mal fait, mais bon, c'est pas très très grave. Ça ne gâchait pas vraiment le jeu pour autant. Parfois, il y avait aussi des trucs pas très intuitifs. Enfin, des fois, il y avait des scènes... des passages de jeu, je savais pas trop ce que je devais faire, je devais un peu improviser, c'était pas facile. Bon, c'est peut-être dû aussi à mon manque d'expérience en VR, ça, hein. Pas impossible. Mais dans le lot, c'était vraiment une bonne expérience. Maintenant, voilà, c'est un jeu qui est épuisant, c'est dur de faire des longues sessions dessus à long terme et de farmer pendant longtemps, ce que j'aime bien faire d'habitude sur beaucoup de jeux, mais là, je peux pas me le permettre. Cet épisode-ci est d'ailleurs peut-être le plus long de tous. Ça m'étonnerait pas vu tout ce qu'on a réussi à faire dedans. Et mon corps commence à le sentir. Et pourtant, j'ai bien tenu, je suis content. Je suis pas trop. Voilà, maintenant je suis crevé maintenant, mais j'ai bien tenu jusqu'ici. Et ça, je suis content. Je me suis pas vraiment plaint de ça une seule fois. C'est un beau jeu. Bon, l'épisode n'est pas encore 100% terminé. On a encore quelques petites choses à y faire dans cet épisode. Donc il faut que mon corps y tienne bon encore un petit peu. Bon, en tout cas, cette campagne est terminée et j'ai vraiment kiffé. Non, c'est vrai que c'est un jeu qui fait beaucoup de... qui demande beaucoup de ressources pour y jouer. Il faut un très bon PC, un casque VR obligatoirement et tout. Et j'espère avoir la chance de pouvoir tester le mode multijoueur. Et malheureusement, Oli qui meurt dans ce jeu. Ah, je n'y attendais pas, j'avoue. J'avoue que je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il allait rester avec nous jusqu'au bout. Ouais. C'est quand même un personnage qui était formé en avant. Hein.
Oli et le sergent sont de loin les deux personnages qui étaient le plus souvent avec nous dans le jeu. Il y a des missions qu'on a fait entièrement avec Oli, je pense notamment à la quatrième mission du jeu, là avec le sabotage de sous-marin, où là Oli il était tout le temps avec nous, et on a tout fait ensemble. C'est triste, c'est vrai. En fait, c'est là où c'est triste, c'est que... C'est qu'il y avait un développement de personnage, en fait. C'est pas comme... Enfin, développement, petit développement. Mais c'est pas comme les autres Medal of Honor. Alors, je parle des anciens, pas de Medal of Honor de 2010 et de Warfighter. Eux, ils sont un peu à part. Mais si on prend tous les autres Medal of Honor, à part ces deux-là, du coup, ben, les personnages ne sont pas développés. Ou du moins, à peine. En fait, on incarne un personnage... Alors, par contre, ici, pareil, notre personnage à nous, on sait pas, on sait même pas qui on est. Contrairement, ouais, en fait, ouais, c'est l'inverse en fait. Notre personnage à nous n'était absolument pas développé par contre. On sait juste qu'on était lieutenant, mais pas de nom. Voilà, juste lieutenant. On sait pas qui on est, on sait pas quelle est notre histoire. Voilà, ça c'est, y a pas. Contrairement aux autres personnages. Alors dans les autres Medal of Honor, bah, d'habitude on incarne toujours un personnage précis. On sait qu'on a le lieutenant un tel, le sergent un tel, des trucs comme ça. On le sait, mais ici on savait pas. Mais dans les autres Medal of Honor, les autres personnages sont juste des figurants la majeure partie du temps. Je vais dire, allez, peut-être que le Medal of Honor qui réussit mieux ça, c'est peut-être Bataille du Pacifique. Bataille du Pacifique, c'est vrai que là, il y a des vrais personnages qui sont peut-être un peu plus développés avec une personnalité un petit peu. Pas autant qu'ici, clairement pas autant, mais un peu. Soleil Levant fait un petit peu ça aussi, c'est vrai. Un tout petit peu. On a quelques vrais personnages. Notamment Tanaka qui meurt du coup dans le Soleil Levant. Ah, elle m'avait manqué cette musique! Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu d'ailleurs. C'était qu'au début du jeu qu'on l'entendait. Ah, je m'ambiance un peu. Hein. Je profite de ce générique pour faire le débrief. Hein. Je profite toujours de ces moments-là pour faire les débriefs dans les jeux que je finis. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre à ce jeu? Visuellement, pour moi il est très bon, hein, faut pas oublier que j'ai pas l'habitude de jouer à des jeux très récents. Ce jeu il est sorti en 2020, donc c'était il y a que 2 ans seulement. Donc c'est très 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 rare que je fais en vidéo un jeu qui est sorti depuis si peu de temps. Alors pour moi c'était un très beau jeu. Maintenant j'ai vu que dans les critiques il s'est fait un petit peu défoncer sur ses graphismes. Beaucoup de gens disent que le jeu n'était pas beau. Et à mon avis c'est vrai que pour un jeu 2020 en moyenne il est pas excellent. Et il faut pas oublier que c'est un jeu en VR. Et c'est plus dur de faire un joli jeu en VR qu'en non-VR. Par conséquent, moi je trouve que le jeu s'en sort super bien. Pour un jeu en VR, il est très beau et l'immersion pour moi elle était très réussie. Moi j'étais sur le cul à chaque paysage que je rencontrais, hein. Donc pour moi ça, à ce niveau-là c'est réussi. Maintenant c'est vrai que voilà, comme je l'ai dit juste avant, quelques personnages un peu développés mais pas tant que ça. Hein. Par exemple Louis, bah, au début il était pas mal développé mais sur la fin, bah les couilles quoi. On l'a revu ici vite fait mais... Pff, on sait pas ce qu'il devient, on sait pas ce qu'il va faire. Alors on sait pas qu'est-ce qui l'a poussé à changer de camp à nouveau. Donc pour moi, c'était pas très bien développé, c'était un peu dommage. Et du coup, c'est un jeu, bon... Je sais qu'on n'a pas encore fini nos vidéos sur ce jeu, mais à part ce qu'on va faire là prochainement, je ne sais pas si c'est un jeu auquel je compte rejouer hors vidéo après les vidéos dessus. Je ne sais pas. Parce qu'en fait, l'air de rien, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les vidéos en VR, c'est entre guillemets démotivant. Parce qu'à chaque fois que je veux faire une vidéo en VR, j'ai toute une méga installation à faire. Je dois tout déménager dans ma chambre, déplacer des meubles et tout. Et c'est physique, quoi. Moi, là, je suis debout depuis que j'ai commencé la vidéo. Ça doit faire quoi? 2 heures, 2h30, peut-être 3 heures. Je sais pas depuis combien de temps on a commencé, je m'en rends pas compte du tout. Et en vrai, c'est épuisant, donc c'est pas motivant. Donc je pense pas que j'aurai la motivation de refaire ça en vidéo. Cependant, c'est pas impossible que je m'amuse à le faire tester à d'autres personnes. Ça, oui. Peut-être. Mais j'ai vraiment kiffé, sinon... Mais on n'a pas encore entièrement fini les vidéos sur ce jeu, on a encore quelques petites choses à découvrir. Et ce que j'espère vraiment, de tout cœur, réussir à faire avec vous en vidéo, et c'est ce qui me fait le plus peur car je n'ai pas la certitude d'y arriver, c'est de pouvoir faire des vidéos sur le multijoueur de ce jeu.
Et c'est pour dans très bientôt maintenant. Donc, je pense que je vais commencer à essayer de faire des annonces, des recherches de gens qui seraient intéressés. Et de votre côté, les amis, n'hésitez pas aussi à partager l'info et expliquer comme quoi je recherche des gens pour jouer en VR. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui possède ce jeu ou qui serait intéressé de se le procurer pour faire des vidéos en VR dessus avec moi, ben, n'hésitez pas à me prévenir sur Discord de préférence. Donc, mon serveur Discord, il est dans la description de la vidéo pour rappel. Et pareil, si vous avez le jeu en VR, ben, venez directement. Là, prenez-moi. Demandez le grade Medal of Honor sur mon serveur Discord et on se rejoindra et on fera des vidéos de malade ensemble, ça serait trop cool. Donc je vais faire des recherches, je ne garantis rien malheureusement, c'est indépendant de ma volonté, ça dépend s'il y a des gens sur le jeu ou pas. Et j'espère que oui, parce que faire du multijoueur sur ce jeu, ça doit être une expérience incroyable également, donc j'aimerais beaucoup tester ça. Bon, le générique il est un peu long, désolé. Je vais y mettre fin. Oh oui, c'est la galerie, donc si on veut, on peut regarder les témoignages de vétérans. Bon, ça doit sûrement être très intéressant. Je ne dis pas le contraire, de regarder tout ça. Il y a plein de témoignages historiques qui ont l'air vraiment géniaux. Mais bon, on va pas se les taper, vous m'excuserez, c'est un petit peu long. Et à mon avis, vous pouvez sûrement les trouver sur Internet si vous allez un petit peu fouiller, si vous êtes intéressé. Du coup, ma théorie, est-ce que la porte elle s'ouvre ou pas? Non! Oh bah merde! La guerre fera toujours rage lorsque vous reviendrez. Mais non! Putain, on avait... Putain, je pensais qu'on avait mis fin à la guerre! D'où elle va faire encore rage là? Putain, je vais se faire laquer dans l'histoire! Bon bah finalement, on peut pas aller par là. On fait tout ça, on met fin à la guerre pour qu'ils nous disent qu'on reviendrait. La guerre fera toujours rage. Et du coup, on a eu notre dernier disque. Celui-là. On va le mettre pour écouter. Hop. On va voir ce que c'est. Et du coup, le coin qui a été aménagé, je suppose que c'est celui-là là-bas. Et oui, voilà. Oh, il est propre. Oh, il est très propre. Il y a tous les chapeaux. Ah, voilà, tous les avions. L'usine de V2, et quelques roquettes V2. Les photos de reconnaissance, il nous en manque une, du coup. On va aller travailler sur ça juste après. Et on va voir, attendez, je vais quand même regarder le premier niveau. On va faire comme ça pour aller plus vite. Ah, il n'y en avait pas dans les deux premiers, ça va. Donc en fait, j'ai réussi à tout trouver du premier coup, sauf une photo de reconnaissance dans ce niveau-là. Ah, dommage! Écoutez, on va se le faire maintenant, comme ça au moins c'est fait. On va se le faire. Mais avant de se le faire, on va aller regarder quand même ce qu'on a gagné dans les archives de l'OSS par rapport à la mission numéro 6. Ah, bah, la musique, du coup, je l'ai coupée, désolé. Je la remettrai après. Combien de temps de vidéo on est dans... Je vais en profiter pour essayer de jeter un coup d'œil, parce que je suis curieux. On est à... Ah ouais, on a dépassé les 3 heures de vidéo. Putain, c'est une grande première sur ce jeu. Oh putain, pas étonnant que je sois crevé. Ah ouais, je suis cassé. Du coup, il est quelle heure là? Il doit être... Oh, il est passé 21h, putain, le temps passe tellement vite. Mais je suis content. Et en vrai, je suis pas si crevé que ça, je suis impressionné. Pourtant, au début de la vidéo, j'ai dû me mettre accroupi de ouf et tout, c'était des combats mouvementés. Et je sais pas pourquoi, là, je suis plutôt en forme. Le bonhomme, il devient musclé. Ok. 5, mission 6. On y va. Ah, il y a 7 étages là, ça va être long. Ok. Ok, donc ça c'est l'intérieur du camion. Avec Oli qui est mort. Oh, Oli! Non, nous sommes tristes maintenant. Ça fait un moment, ouais. Je vois la cinématique et c'est quel moment? Sympathique, sympathique. Bon, on va pas se les retaper, on connaît. On est juste là pour visiter vite fait ce qu'il y a. Bon, je suppose qu'il y a la cinématique où Oli meurt, ils vont nous la remettre. Ah ben, voilà la fameuse scène, les amis. La scène du sacrifice de Oli. On va se la remater pour encore un peu plus nous fondre le cœur, les gens. Et voilà comment il s'est fait tuer. Ah, c'est couillon. C'est couillon. Dommage. Il est mort en héros, on peut le dire. Ça, c'est une mort héroïque.
Dans la Seconde Guerre mondiale, je me doute bien qu'il y a des gens qui sont sûrement morts d'une manière un peu similaire, de manière héroïque. Mais c'est vrai que ça doit être dur à imaginer. Parce que ce qu'on voit là, on dit « Ouais, ce n'est qu'un jeu. » Mais non, pas vraiment, les gars. Hein. C'est pas vraiment qu'un jeu. Hein. Faut pas oublier que c'est un jeu quand même qui reprend la réalité. Donc, ce genre de sacrifice qu'on va même le voir là, bah, il y en a sûrement eu. Ah ben voilà. Holy. Allez, on va de nouveau pleurer. God damn it, Holly, what did you do? Medic! Medic! Putain, il a pas l'air blessé tant que ça. Sir, I'm the medic. Quand tu regardes, il est pas si blessé que ça, on dirait. Oh, Holly. What did you do? At least I kept my head down. Il a du sang sur lui quand même, ouais, mais bon. Il a pas l'air vraiment blessé de ouf, quoi. Oh, Holly. Not you. C'est bien parce que là, il est bien propre. Not you. Ça fait bizarre, il était tout seul dans la cinématique. Holly. I love you. Never ever doubted, sir. Never for a second. Pourquoi ils veulent pas faire une fin heureuse? Ouais, c'est plus réaliste. J'ai envie de dire, c'est plus réaliste. Hein. La guerre, tout le monde s'en sort pas. Hein. Oh! Fallait s'y attendre. C'est une mission qui tournait beaucoup autour de l'aviation, donc fallait s'en douter. Mustang! Oh! Ne serait-ce pas un V1? Oui, missile V1. Voilà. Et ça, c'est les petits avions tout mignons, comme je disais. Donc, c'est avec celui-là que le capitaine, je ne sais plus comment il s'appelle, parce que ça fait pas longtemps qu'on le connaît et j'ai pas encore de trouver moyen de mnémotechnique pour retenir son nom, désolé. C'est avec celui-là qu'il s'est enfui avec nous pour nous escorter, du coup. Voilà. Et ça, c'est un autre modèle. Ok. Oh, je l'avais pas vu! Les missiles V1, ils sont là. V2, pardon. Ils sont là. Bon, je vais pas les lire, je sais que c'est des V2, je suis pas con. Ça, c'est un gros bombardier allemand, on dirait. Petit chasseur allemand. Non, pas allemand, américain, pardon. Ça, c'est allemand. Ça, c'est américain. Bien sympathique. Niveau 5. Toujours plus d'avions. Quoi? Attends, mais c'est un truc encore à part, ça? Mais what the fuck? C'est des trucs japonais? Qu'est-ce que ça fout là? Dans des trucs spéciaux, j'ai pas eu le temps de lire. Mais ouais, c'est des avions japonais, mais qu'est-ce que ça fout là? Pourquoi il y a des avions japonais? C'est un petit bonus. Genre, vous voulez voir des avions japonais? Il n'y en avait pas dans le jeu, mais si vous voulez, voilà, bah d'accord, bah merci, c'est ça, c'est japonais, ça. Je reconnais le logo rouge sur leur... sur leur côté, sur leurs ailes. D'accord, bah écoutez, c'est du bonus. Des avions japonais. Ça rappelle Pearl Harbor, même si Pearl Harbor n'est pas dans ce jeu. Ce n'est pas une bataille du Pacifique, ici. Qu'est-ce qu'ils vont nous mettre comme autre cadeau, cette fois? Oula, c'est long. Oula, là, c'est un truc gigantesque. Ah oui, mais c'est ça, elle a dit, c'est un truc pacifique. Du théâtre pacifique, c'est ça, donc c'est du pur bonus. Ça, c'est des avions qu'il y avait lors de la bataille du Pacifique. Qu'il n'y a pas dans ce jeu. D'accord. Ah, des petits bonus sympas, intéressants. Ouh, regardez, là, on voit les torpilles accrochées aux ailes.
D'accord, d'accord. C'est du bonus. C'est sympa, en vrai. C'est bizarre. Vous savez que quand je suis comme ça et que quand je fais ça, j'ai l'impression que quand je fais ça, je cours encore plus vite. Est-ce que c'est psychologique ou est-ce que ça a vraiment un impact, vous pensez? Attendez, là je... Non, c'est psychologique. Ça n'a aucun impact. Et voilà le dernier avion. Encore du Pacifique. Oh, c'est quoi ça comme avion? Super Fortress. Connais pas. Je suis pas trop un connaisseur en avion. Il y en a tellement différents. Ok, ok, bah au moins on aura fait notre petite visite. On va retourner au menu principal et tenter d'avoir la dernière photo de reconnaissance qu'on a loupée. Ça nous fera pas mal d'achievements tout ça. C'est long. Ça fout la nausée un peu, hein. Je ferme un peu les yeux parce que j'avoue que c'est quelque chose qui me donne le vertige, j'aime pas trop. Mon oreille interne n'aime pas trop. Voilà. Bon, ben merci beaucoup, c'était intéressant. On va donc aller terminer ce qui nous restait. Je suis dégoûté d'avoir loupé. Si on n'avait pas loupé cette photo de reconnaissance, on serait tranquille, voyez-vous. On va essayer de finaliser ça en beauté, alors les gens. Allez, ben, ça, on aura complété la campagne à fond. Il nous manque juste quelques petits achievements, et ça on s'en occupera sûrement dans le prochain épisode. Je regarderai de mon côté un peu à l'avance pour vous dire un peu tout ce qu'on a à faire. Parce qu'il y a tout ce qui est succès caché aussi. Et ça je les connais pas, donc il faudra que je me renseigne malheureusement. Mais on ira voir à la fin de cet épisode déjà où on en est. Allez! Et là jolie, ah, ça fait mal de revoir Oli et tout ça maintenant. Bon, mais du coup on va le revoir dans cette mission. C'est parti. On a une photo de reconnaissance à trouver qu'on a loupé tout à l'heure les gens. On va essayer de rattraper ça. Et après ça, on pourra s'arrêter enfin pour ce long épisode. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris aujourd'hui, j'étais vraiment motivé, j'avais envie de jouer là. Ah, ça me fait du bien en vrai là. Je suis content, on avance bien, on avance à un meilleur rythme. En vrai c'est mieux, en fait j'aime bien faire des longues sessions sur les jeux à l'avenir, je pense que c'est ce qu'il faudrait que je fasse. Le fait de faire des longues sessions permet d'avancer plus vite dans mes aventures, déjà de 1 je kiffe plus, et de 2 bah oui ça avance plus vite, comme ça on peut faire plus de projets dans un laps de temps plus court, donc c'est mieux. Mais bon, je sais que des plus longues vidéos pour vous, c'est moins pratique aussi, donc je pense à ça aussi, quoi. C'est ça le problème. Oh non, Oli ! On va passer les cinématiques. Voilà, on peut les passer. On les connaît déjà. On va avancer. Le but, c'est juste de trouver la photo de reconnaissance qui nous manque. L'épisode est déjà bien assez long comme ça. Oh non, si j'avais déjà une à ma garant, je la garde. Ça m'étonnerait beaucoup que les photos de reconnaissance soient quelque part ici. C'est forcément dans la base que ça se trouve. Ou même ici, ce serait très étonnant. Non, 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 ça peut pas être ici, c'est impossible. Ah, ça se trouve que je suis passé devant comme un con. Bon, on les avait vus sur le vidéoprojecteur là. Oh non, Oli. Ça fait bizarre de le revoir du coup maintenant. Et de savoir ce qu'il attend. Je passe, désolé. Ah non, je peux pas passer cette cinématique là. Ok. Look who found us. Anthony. Somehow, I am not surprised to see you. Ah, j'ai mal au dos. You found a way to join us. The Colonel and I may have bent a few rules, but it was a one-way mission. There's no way you could have had enough fuel. Putain, où est-ce qu'il va être ce plan de ces photos de reconnaissance dans tout ce bordel? Quels sont les endroits que j'ai pas bien fouillé, les gens? Là-dedans, on a trouvé deux trucs sur les trois. Est-ce que le troisième serait là-dedans aussi? Je sais pas, j'ai bien fouillé pourtant. Là-dedans, j'avais pas l'impression que ça y était. Et les tentes, là, je les ai bien fouillées aussi. Là-bas aussi. Mais j'ai tout fouillé, en fait, ça qui me fait chier.
The Germans will do the same to us if we don't make it out of here. We need fuel. Aucune idée d'où chercher du coup. Ah, j'ai mal, je vais m'asseoir un peu les gars. Ah, par terre. Captain, in your judgment, can we successfully extract the supplies we need from down there? Yes, Sergeant. I believe we could. I've managed to liberate a couple of mortar shells. Where should we fire them? Il fait peur. Oh putain, regardez quand il me regarde, je suis baissé, il me regarde tous de haut là. Ça fait peur. Ça va, je me lève les gars. Je peux jamais faire de pause tranquille ici. Alors, bon. Bon, écoutez. En fait, c'était bien là-bas. Je vais plutôt mettre là-bas, c'est quoi? We could use the off track for support. What route should we take? Oh, on va changer un peu, vas-y, prenez ça ici. Et moi je vais spawn par là cette fois. Ça en change un peu. Ali, you keep your head down. Yes, sir. All right, let's get what we need and get the hell out of here. Voilà, bonjour. Oh, une photo de reconnaissance, non, non. Je vais regarder là désespérément, mais non, ça va pas être là, c'est sûr que c'est là-dedans. Voilà. Ça vous va comme ça? Il a déjà avancé jusque là lui. Bon, pouvons-nous fouiller s'il vous plaît? Moi je suis toujours intrigué par ça. Bon, lui par contre il brille de ouf, hein, genre je suis là, regardez-moi bonjour. Et je l'avais déjà. Imaginez que... Non. Je sais pas, je tente des choses, jamais. Non, ça marche pas. Non, ça ne change rien. Je me suis dit peut-être que... C'est ça, c'est une photo de reconnaissance, les gens. C'est ça qui est dingue. C'est pas un indice, non. Putain, ça m'obsède, ce truc, hein. Bon, on est reparti pour une fouille intensive. Allez, s'il vous plaît, rapidement, parce que mes jambes, elles vont plus tenir très longtemps, là. Et mon dos non plus. Ça, il était plutôt facile à trouver aussi. Et des photos de reconnaissance. Aucune idée. Oh là, attendez. Oh putain, j'aurais bien activé le mode assis, mais j'ai rien pour m'asseoir. Cocotte, mais si je peux, attendez. Pause, attendez, je vais le faire, ça j'en peux plus. Je vais m'asseoir par terre et je vais aller activer le mode assis pour terminer mes fouilles. Parce que là, j'en peux vraiment plus, je suis désolé. Je sais que le mode assis n'est pas très pratique pour jouer, mais... Là, dans mon cas actuel, je n'en peux plus. Alors... C'est où ? Le mode assis. C'est pas ici. Voilà. Voilà. Merci bien. Ah, oh, ça fait bizarre. J'ai l'impression de flotter dans le vide du coup. Parce que là, je suis assis par terre.
J'ai l'impression d'être à moi là, vous savez, j'ai les jambes croisées par terre, vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression de flotter comme un dieu spirituel. Ça fait très bizarre. Bon, ça m'épuisera moins pour la fin de cette vidéo, vous m'excuserez, mais vu qu'on est à la fin de la vidéo, je souffle un peu, on a fini la campagne de toute manière, donc... C'est vrai que c'est perturbant, hein. Je suis en train de flotter dans le vide, du coup. Le seul problème, en fait, c'est que là, du coup, je peux pas me baisser, quoi. Si je veux me baisser pour regarder en dessous d'un meuble, je ne peux pas. Ça, c'est le problème du mode assis, quoi. Et du coup, si je me mets debout, est-ce que je vais être genre un géant? Attendez. Oh! Ah, okay, ça m'a remis bien, ok. Ah merde, mais du coup, là... Quand je me mets assis, du coup, il en dirait que je suis accroupi maintenant. Merde. Je vais essayer de remettre les câbles correctement. Voilà. Bon, je suis peut-être accroupi, mais je peux quand même sprinter. Attendez. On va le réajuster parce que là, c'est bizarre. Langue française, mon cul, ouais, c'est pas français. Là. Bon, please. Alors, mode assis ne pas dire mode invincible, Benoît. Hein. On reste un minimum prudent. Réfléchissons stratégiquement. Généralement, ils les mettent quand même à des endroits minimum logiques. Non, 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 non. Bah, je pense que c'est la musique qu'on entend là, je pense que c'est justement la musique qu'on a débloquée dans le menu principal justement. Mais d'où vous sortez vous? Mais où? Toc toc toc. Bon, bah c'est parti pour la fouille. Aucune idée d'où fouiller les gens. C'est quand même beaucoup moins épuisant de jouer assis, je dois l'admettre. Ouais. Bam 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 bam. Ah oh, putain, ne me dites pas que c'est là-haut. À tous les coups, c'est... Oh putain. J'ai une illumination d'un coup, les gens. Si on peut monter là-dedans, c'est là-dedans. Eh bien, on ne peut pas. Je dois admettre que là, je suis assez surpris. Oh merde. À moins que ce soit le mode assis qui fait que je peux pas escalader. Dans le doute, je vais quand même vérifier. On sait jamais. Imaginez qu'il y a une fonctionnalité qui soit désactivée à cause de ça. Non, 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 je peux pas. Je voulais en avoir le cœur net. Ah. Photo de reconnaissance. On sait à quoi ça ressemble. Bien ça, oui. On sait à quoi ça ressemble, bordel. Ils font pas les foutre sous une baraque comme ça, quand même. Les
porte ne s'ouvre pas. Ici, j'ai déjà regardé. Il n'y avait que dalle. Wow, par contre, ça fait bizarre pour mon cerveau d'être debout alors que je suis assis. Je veux dire que ça le perturbe un peu. Là, j'avoue que là, j'ai juste envie d'arrêter la vidéo parce que mon cerveau, il commence à avoir un peu le mal à la tête. Là. Je vais rien dire ce que je viens de dire, c'est pas grave. En même temps, ça fait longtemps là que je joue. Hein. J'ai jamais fait une aussi longue session, donc là, il est temps qu'on se stoppe. Mais je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas trouvé cette photo de reconnaissance. Je veux comme ça, la prochaine fois, on peut passer à autre chose. Putain, mais c'est pas possible. Où est-ce qu'elles sont ? Là-dedans, je pense pas, j'avais déjà regardé. J'ai l'impression que c'est dans ce bâtiment-ci que je vais les trouver. Ah, palala, papapam. Est-ce que je suis aveugle ou con? Est-ce qu'elles sont devant mon nez depuis tout à l'heure et que je les vois pas? Ce serait pas la première fois. Palababam, pam, 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 pam. Mais oui, elles sont devant moi, elles sont là. Je vous jure, ça me mindfuck. Hein. Non. Imaginez qu'il y ait peut-être un cadre qu'on peut retirer et qu'il soit accroché derrière le mur là. En mode en première ligne. Allez, hein, je veux le trouver par moi-même. Non, c'est pas ici, je l'aurais déjà vu. Ou alors je suis vraiment aveugle. J'ai juste l'impression que je suis en train de me promener. Oh putain, elles sont là! Ah, Golemon! Je suis passé devant tout à l'heure, ça veut dire! Quand je cherchais ici, je suis passé ici tout à l'heure, j'ai cherché ici. Ah, c'est le reflet, regardez le reflet comme ça. Tout à l'heure, je me rappelle, je suis passé ici, j'ai vu les plans, je fais. Ah, peut-être ici. J'ai regardé comme ça, je suis passé là. Et je l'ai pas vu, j'ai pas capté que c'était ça à cause des reflets blancs qu'il y avait dessus. Putain, là, je m'en veux. Ah, Benoît, putain, des baves là. Plan dans ta gueule. Voilà, bon. Conneries. On va réactiver le mode debout. Je vais vraiment me remettre debout. Ah, je m'en veux, les gens. Ah là 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 là, je suis passé devant. Ça veut dire que tout à l'heure, peut-être que pendant que je découvrais le niveau, on les voyait vraiment. Allez, on se relève. Voilà. Du coup, voilà, regardez. Objet à collectionner. La jauge est entièrement pleine, les gens. Mission accomplie, c'est réussi, voilà. Ouh, je suis mort. Avant d'arrêter cet épisode,
Je vais aller jeter un petit coup d'œil aux achievements. Alors vous ne les voyez pas, comme d'habitude, je suis désolé, donc je vais devoir vous décrire un petit peu tout ce qu'il y a eu de nouveau aujourd'hui. Après, j'ai trouvé une nouvelle technique pour trouver facilement quels sont les achievements que j'ai obtenus aujourd'hui. Juste regarder la date. On est combien aujourd'hui? Je ne sais même pas, on est combien. On est le 24 octobre, je crois. Alors, je commence cette vidéo. Ah, je vois déjà 29 heures de jeu qu'on a, hein, les gens. C'est impressionnant. Et on a 62 succès sur 80. Attendez, ça avance bien, là, l'air de rien. Hein, c'est quoi ça? J'sais pas. Ah, c'est bon. Alors, du coup. My bad, on n'est pas le 24 octobre, on est le 25 octobre. Je le sais parce que là, je le vois dans les achievements. Je ne sais même pas quel jour on est génial. Donc, du coup. Je vous fais la liste de tout ce qu'on a réussi aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si les achievements se sont tous affichés pour vous ou non. J'en suis désolé si ce n'est pas le cas. Donc, on a réussi à obtenir toutes les photos de reconnaissance. C'est un achievement qu'on vient d'obtenir à l'instant, du coup. Ça fait plaisir. On a réussi à trouver toutes les archives. Nous avons également réussi à trouver tous les livres de code. Voilà, ça c'est logique jusque-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a réussi d'autre? Le 25 octobre, je regarde. Ah oui, ouh, là il y en a plusieurs. Abattez un 262, un avion 262, ok, quand j'étais dans les airs, ok. Porter un masque à gaz, ok, c'est fait. Détruisez au moins un V2 pendant la mission Rotschen Verboten. Oui, ben en même temps, j'avais pas trop le choix, je pense, d'en détruire des V2. Terminer la sixième mission et donc terminer le jeu. Terminer le jeu en mode difficile, eh oui. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, il y a plusieurs autres choses. Et oui, les défis meurtriers. Terminer le défi meurtrier. Enfin, le défi 6, quoi. Et le finir, donc, en battant le temps moyen que je vous ai dit tout à l'heure. Et donc, du coup, ça fait quand même pas mal d'achievements, tout ça. Ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Putain, on a obtenu 10 achievements rien que dans cette vidéo. Tu m'étonnes qu'on a bien avancé. Du coup, maintenant, on est à un total, comme je dis, de 63. C'est bien ça que je dis, j'avais regardé. Ah non, 62, pardon. 62 succès sur 80, ce qui veut dire qu'il nous manque encore 18 achievements pour pouvoir dire qu'on a fini ce jeu à 100%. Alors, je vais regarder un petit peu maintenant. Alors, je sais que vous ne les voyez pas, hein. Je vous fais une description, je suis désolé. Je vais regarder maintenant dans les succès que je n'ai pas obtenus. Qu'est-ce qu'il reste ? Donc, montrer 3 fois un pouce en l'air à Oli, ça va faire mal au cœur, mais je pense voir ça dans quelle mission. Tirer sur 5 grenades en l'air, j'ai pas encore réussi, mais j'en ai fait quand même quelques-uns aujourd'hui, je pense. J'irai voir. Je vois pas la progression du succès, faudra que j'aille voir sur mon PC pour le voir. Porter tous les chapeaux, celui-là il va être long et chiant, je le sens. Effectuer un tir de sniper à plus de 100 mètres, j'ai pas encore réussi celui-là, c'est un petit peu dommage. Et tuer un nazi avec une boule de neige, celui-là il me frustre parce que j'ai vraiment voulu le faire et à aucun moment j'ai croisé une boule de neige. Donc faudra que je me renseigne aussi. Et du coup, il y a encore 13 succès cachés restants qu'on n'a pas obtenus. Donc, il y a que 5 succès non cachés qu'on n'a pas eu. Donc, on s'en sort plutôt bien, hein, juste pour un premier jet d'une découverte de campagne. On a quand même réussi la majorité des succès. Ok. Bah, du coup, les amis, ce que je vais faire pour la prochaine fois, c'est que je vais essayer de me renseigner sur Internet sur les succès cachés restants. Voilà, je sais que c'est un peu du spoil, c'est peut-être un peu de la triche, mais enfin, c'est pas vraiment de la triche, parce qu'en fait, j'ai aucun moyen de les deviner, en fait. Donc, si je veux avoir une chance de les avoir, il faut que j'aille voir. Donc, j'irai voir sur Internet c'est quoi ces 13 succès cachés restants pour voir ce qu'on doit faire. Et j'essaierai évidemment de me renseigner sur comment réussir les 5 autres succès. Bon, il y en a certains, je sais comment faire. Mais par exemple, porter tous les chapeaux. Il faudra sûrement un guide. Je ne sais même pas s'il y en a un. Montrer 3 fois un pouce en l'air, je me renseignerai quand même si je pense avoir ma petite idée. La boule de neige, pareil. J'aimerais bien savoir où est-ce qu'on en trouve une. Donc voilà. Et effectuer un tir de sniper en plus de 100 mètres. Bon, ça, il faudra que je réfléchisse à ma stratégie. Mais en vrai, je suis déçu de ne pas l'avoir réussi moi-même. Et du coup, les 13 succès cachés. Donc 13 plus les 5 là, ça fait bien 18 en effet. Donc je me renseignerai de mon côté hors vidéo pour la prochaine fois quels sont ces succès cachés et comment les obtenir également pour ceux qui sont pas cachés. Et c'est de voir des... Je sais pas vraiment si je vais voir des tutos ou des guides, peut-être pas tous, hein. Peut-être que les succès cachés, je verrai juste leur descriptif et je me contenterai de ça pour essayer de les faire. Mais il y en a quelques-uns, j'aurais besoin de guides, comme par exemple les chapeaux, la boule de neige, parce que ça j'ai vraiment fouillé.
et je n'ai rien trouvé. Voilà. Et ça, donc, ce sera le menu du jour pour le prochain épisode, les amis. Un épisode spécial chasse au succès. Voilà. Et du coup, les amis, ben, vous l'aurez compris, quand on aura fini donc cette chasse au succès dans la campagne, eh bien, je m'intéresserai aux autres modes de jeu qui sont là, c'est-à-dire le mode survie et le mode multijoueur, qui sont deux autres choses que je compte bien tester avant la fin de cette aventure sur ce jeu en vidéo. Donc du coup, le mode multijoueur, je ne sais pas encore quand est-ce que je le ferai. Je ne sais pas si je le ferai avant ou après le mode survie. Mais avant. Je pense que c'est mieux que je le fasse avant. Comme ça, j'aurais pas de faux espoirs. Parce que imaginez que je finis le mode survie, puis je fais, voilà, maintenant, on va finir l'aventure avec le multijoueur et... Ah, ben, le multijoueur est mort, c'est la fin de cette aventure, on va essayer de regarder. Non, ça serait nul, quoi. Au moins, si je fais le multijoueur avant, on a encore le survie après pour nous réserver encore un petit peu de contenu, quoi. Voilà. Et du coup, voilà, la photo de reconnaissance est bien ajoutée là-bas, c'est parfait. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, c'est sur cette fin de campagne et ce très long épisode, le plus long depuis le début de la série, qu'on va s'arrêter là. On en est à environ, je pense, 3h30 de vidéo, même peut-être un peu plus. C'est abusé. Et je suis surpris que mon corps n'ait pas été tant crevé que ça. Bon, là maintenant, je commence à souffrir, hein, évidemment, mais on a tenu jusqu'au bout. J'espère en tout cas que vous avez passé un agréable épisode en ma compagnie. Moi, franchement, je me suis bien éclaté, j'ai pas vu le temps passer, mais mon corps se fait ressentir. C'est pour ça que la VR, je pense que c'est un truc que j'arriverai jamais à m'y faire à 100%. Je pense que ça paraît con à dire, mais même si la VR propose des trucs absolument géniaux comme ceci, mais je pense que je kifferais toujours plus de jouer à un jeu traditionnel avec juste une manette normale devant un écran. En fait, c'est une habitude que j'ai depuis que je suis tout petit, en fait, ça. Et oui, c'est comme... ça fait un peu penser à une réflexion de vieux, mais imaginez un vieux qui découvre des trucs quand il est jeune. Bah, les trucs qui sortent par la suite, bah, il est un peu dépassé. Et oui, c'est pas trop... Il s'adapte pas trop. Mais bah, voilà, je commence à voir ça, la VR. C'est pas de mon temps. Bon, en vrai, la VR, ça fait déjà quand même environ une dizaine d'années que ça existe, je sais. Et j'étais jeune à ce moment-là, mais... C'est un truc qui n'était pas encore accessible à tout public facilement, donc là ça commence seulement à le devenir. Voilà. Oh, un casque. Oh, je peux vraiment le mettre, ça. Oh. Hey, j'ai eu un succès. Je ne pense pas. Putain, je viens de trouver la technique pour retirer un casque plus facilement. Plutôt qu'il ne faut pas mettre au-dessus, il faut mettre ta main sur le côté de ta tête. Voilà, désolé. Bon, ben les amis, on va s'arrêter là, je mets les mains sur le bureau. On va s'arrêter là pour cet épisode. Merci à vous de l'avoir regardé, c'était un très bon épisode, j'ai vraiment apprécié, mais mon corps il va pas trop apprécier, je pense, son rétablissement. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Très bon épisode, très bon jeu, et j'en garderai de très bons souvenirs quoi qu'il arrive. Mais ce n'est pas terminé, on a encore plein de petits achievements à essayer d'obtenir la prochaine fois, et après ça, on essayera, je l'espère, d'attaquer le mode multijoueur. J'espère vraiment qu'on pourra y toucher. Et sinon, ben, on devra se contenter du mode survie. Voilà. Ça, vous êtes au courant de ce qu'il nous reste à faire sur ce jeu, les amis. Ça diminue donc fortement. Et donc, ça veut dire également que les Medal of Honor sur ma chaîne, eh bien, ça diminue fortement aussi. Il va falloir en profiter, les amis. Voilà. Un grand merci donc. Je compte sur vous pour faire passer le mode pour le multijoueur et me tenir au courant également si vous êtes intéressé. Et moi, je vous retrouve donc très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye, les amis.